Elle a procédé de la mauvaise manière. Je vais le dire, je n'arrêterai pas de le dire. Sais même pas. Pourquoi? Reine Sylla. Allô? Allô? Oui. J'entends tout à l'heure. Oui, Reine. Oui, bonjour. Bonjour. Ça, c'est ma première de mon costume live. Tu dis quoi? J'ai dit que c'est ma première fois de monter sur un live, je ne sais pas comment ça se passe. Tu ne sais pas comment ça se passe? Oui. Ah bon? Hein. Et pourquoi? Bon, en fait, non, mais en fait, le truc, c'est que. Non, donc, Reine, comme tu ne sais pas, tu restes là et puis tu vas parler après, s'il te plaît. Une minute, il ne faut pas descendre. En fait, Marie-Léon, moi, je pense que. Le problème là, parce que si on veut commencer ça là, tu vois non, un truc que c'est quand je causais un chef du village et puis on disait que c'est en voulant venir faire encore vidéo sur ça là, ça va encore pousser les gens qui autisent à croire encore à cette idiotie mensongère là, exactement, qui règne et qui réside là toujours. Donc nous on n'est plus là. Moi je préfère faire direct où il y a une personne connectée et où je parle et puis il va comprendre. Que de venir parler d'une affaire qui part en couille d'anac et puis on est là, on ne sait pas ce qu'on fait. Tu vois, non, les gens sont en train de rentrer dans les émotions. Sinon, moi, je prends un exemple simple hier. Hier, moi, j'étais là. Le même gars qui t'a insulté, là, qui vient te menacer, là, il m'a envoyé le live de mon frère Mika. Moi, je n'ai jamais été en palabre avec Mika, jamais de la vie. Mais moi, je vais sur le live de Mika, mais apparemment, j'avais plus de 1h15. Où on dit la vérité, ils vont dire. Connaissez-vous, jusqu'à il y a les gens même, il y a les partisans même de la moindre effort anaqueuse, là, qui sont là en train de dire, comment dirais-je, mais depuis une heure, on est là, dites maintenant, une heure, on est là, dites maintenant, une heure, on est là, dites maintenant. Donc, quand chacun va comprendre ce qui est réel et qui est vraiment, vraiment la vérité, on passe à autre chose. Mais lui, ces menaces-là, allez-y dire à M. Ndri Séverin que lui va répondre. S'il veut qu'il insulte, nous on ne rend pas dans les injures parce que nous on a été tellement bien éduqués. Mais s'il passe par la menace, les seules personnes habilitées dans ce monde à gérer les cas de menace, et c'est les forces de l'ordre, nous on va, comme on a déjà ses photos, ses vidéos dans son village, il pense qu'il est dans son village, c'est pourquoi on ne peut pas l'attraper. Dites-lui qu'il y a un monsieur qui avait écrit il y a longtemps, où il a dit boycottons la CAN, le lendemain ils l'ont arrêté. Ils l'ont arrêté parce que nos corps habillés ici, là, ils sont forts. Donc, les uns qui sont cassés dans les tapis, dans l'homme, dans leur petit campement, et lui, bête qu'il est même, il ne crée même pas un compte fictif. Il crée un compte où on le voit et il fait ses menaces. Oui. Je ne sais pas si ce dernier-là, avec la barbe qu'il a, il ne sait pas que quand on est au village et qu'on menace quelqu'un, même à dire que toi, il est tué un jour, demain, là, s'il douve, c'est toi. S'il ne sait pas, on va lui coller un petit poumon, un petit truc seulement. Voilà, on va dire aux gens, on ne sait pas pour le mettre en prison, mais qu'ils viennent expliquer un peu pourquoi il insulte dans tous les PV. Parce que si c'est un PV, on peut dire non que bon, tu viens dans le PV de JM, il a dit ça, bon, bah, il était en colère l'instant T. Il peut aller dans le PV de Marie-Lalion, ils vont dire non que, ah, bon, il était en colère, il a vu une vidéo, mais tu viens dans le PV de tous les gars là, mais toi tu es garçon, hein. Il est garçon cigare. Il est garçon cigare. Donc, on va lui coller un petit truc pour lui dire qu'il n'est rien. Voilà. Bon, je vais faire monter un compte qui, où il n'y a pas de nom dessus. Il ne fait pas monter ça de compte, mais je vais le faire monter, voir ce qu'il va dire. Bon, bonjour. Bonjour. Lui qui a monté là, bonjour. Bon, dès qu'il s'est trompé. Parce que tu peux faire une erreur, mais tu rentres dans le PV de tout le monde. Parce que je me rappelle bien, le chef du village a fait vidéo sur lui pour le recadrer. Et le chef a dit que c'est pas moi, je vais te mettre en prison. Moi, je fais vidéo sur lui-même pour lui dire qu'au village, là, c'est là-bas qu'on apprend même la vraie valeur. Comment manquer de respect? Mais si toi, tu es au village,
et que même tu as honte d'être au village et que tu commences à faire ça, mais je te dis, il faut que je colle quelque chose à ce gars-là. Ça va venir de moi-même. Si vous voulez, faites capture gardée. Moi, je dis, ce zin-là, lui et moi, là, on va s'arrêter et puis elle demander, il y a eu quoi même. Et puis tu écris aux gens. Il faut venir expliquer aux autorités. Tu rentres en PV de temps, tu menaces de mort, tu rentres ici là-haut. C'est pourquoi, dis-nous exactement. Ce qu'on t'a fait là, dis-nous en te donner. Être d'une opposition d'idées, s'il y a problème, c'est pas pour une opposition politique. On dit idée. Moi, je ne suis pas d'accord avec A. A dit, je ne suis pas d'accord avec B. On discute. Même voici, Miss Dobo, souvent, même je rentre dans son PV, c'est comment ça va? Oui, ça va bien. Ok, ma chérie, on n'est pas en parlant. Elle dit, non, maman, c'est, allons-y. On rentre dans le chef de village. Lui-même, on n'a jamais été en opposition. Même Capitaine Silla, on a été en opposition depuis au temps du congélateur. Aujourd'hui, c'est mon jeune frère. Mais si je vais au Burkina, c'est chez Capitaine Silla, je vais laper sa sauce Nandi. Si je vais, c'est chez lui-là, il est mangé. Mais je ne sais pas, les gens qui rentrent dans les PV là. Nous, on dit, on ne parle plus de l'affaire. Nous, on se tait. On ne parle même plus d'eau. C'est pourquoi même aujourd'hui, même, quand je vais parler jusqu'à, je vais arrêter là. Je ne vais même pas citer le nom de quelqu'un dans ma bouche. Je le dis parce que c'est fini. C'est, aujourd'hui là, il y a un truc qu'ils sont en train de chercher, j'ai dit, et ils savent, moi je sais, comment envoyer balle, et puis JM va réjaillir, chef du village va parler, Lévin va parler, Tom va parler, et puis ça donne encore pouvoir aux gens de nous suivre et de cotiser pour terminer la maison, c'est ça, mais s'ils veulent là, qu'ils viennent signer un contrat avec nous. Bon les gars, on a lancé le can en quoi, hein, cotisation, on n'est pas encore arrivé où. Donc, si vous ne parlez pas là, les gens qui vont se retirer. Et puis, on passe à autre chose. C'est mais ça. Rentrer dans PV pour menacer là, c'est pas bon. Mais oui. C'est pas bon. C'est pas bon. Lui-même, hein. Il s'est menacé lui-même parce que ses paroles vont se réaliser dans sa vie. Oui, maman Ina, faut pas parler, mais on parle plus de ça. On va pas dire non de quelqu'un même. En fait, maman Ina, je t'explique. Il y a un gars barbu, si tu te rappelles bien, il a fait une vidéo sur lui un temps pour lui dire non que tu es au village et le village là, c'est fait pour les personnes réfléchies, les gens qui apprennent à vivre en société. Parce que c'est au village même que la vie en société même est plus même appliquée. Parce qu'on sait que quand M. Yao se lève matin, il doit passer de cours en cours pour dire bonjour, bonjour, bonjour. Mais en ville, ici, là, tu peux taper 15 ans dans la même commune avec rien, même là. Même cours là, même tu ne le salues pas. Donc, et ce monsieur, il m'a menacé. Moi, je me dis, bon, s'il est en colère contre un, il ne sait pas s'exprimer, il n'y a pas de problème. Mais il va encore menacer chef du village. Quand j'ai vu ça, il dit à chef du village, laisse-lui là. Mais aller encore menacer encore une autre femme encore, et non, ça devient de trop. Hein. Il faut qu'on lui dise un peu que la porte de la marque est ouverte encore. Hein. Il faut qu'il puisse apprendre hein, que dans la vie, là, il y a l'opposition d'idées. On n'est pas tous d'accord sur un fait, ça demeure. Mais pourquoi venir me menacer? Eh bien, tu crains quoi? Tu as peur de quoi? Nous, on dit, on ne parle plus du mouvement. Nous, on parle d'autres choses. Il y a trop de thématiques ici. On parle juste en train de tout le temps venir parler. Parce que, en fait, c'est nos gros Français qui les fatiguent. Hein? C'est une manière de nous expliquer là. C'est-à-dire que d'après maman, il a dit, je m'explique tellement bien que ça les fatigue. Et vous me connaissez même. Nous, on ne répond plus parce que nous, on ne peut pas rester là en train de jouer le jeu. Et puis, les gens ont cotisé. Et puis, ils sont là, ils sont incités à cotiser. Nous, on voilà. Hey, tu vois que je suis inspiré, mais les gens, vous devez monter, ils ne voient pas. Nous, on n'est plus dans ce jeu-là. Ce jeu où on cotise, là, nous, on n'est plus dedans. Voilà. Ouais, oui, maman, mais je t'ai pas vu. Tu vois que le couteau était sur une page. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, mais... on fait tout ça là. C'est pourquoi on rentre dans la salle de réanimation. Avec non, mais on ne va pas rentrer. Pour réanimer le malade qui est agonisant, qui est dans le coma. Donc, ils ont regardé sur la route. Ils vont faire panel, ils ont menti. Ils sont en train de se doyer. Tout ça là, on ne parle pas. Nous, okay, on dit actuellement là, on veut voir. On veut voir, on est devenu Saint-Thomas. Est-ce que ça là, il n'y a pas là? Maintenant, vous parlez de menacer. Pourquoi chef divinat, il ne parle plus. Donc, il a fait maintenant. Toi-même, tu ne parles plus. Moi, je ne parle plus. Ils sont venus menacer avant-hier. C'est moi qui l'ai rentré dans mon inbox. Il m'a envoyé un long message de menace dans mon inbox. Regardez-moi ça là. Sérieux? Pourquoi? Lui, il va sur les panels de tous ceux qui sont en opposition là. Et il menace. Ouais. Et c'est même Moro. C'est même gars. Moi, je ne comprends rien. Vous dites que vous êtes médecin, agrégé,
médecin agrégé. Donc, vous avez le malade dans la main en salle de réanimation. Réanimez-le. Nous, on est clair. Actuellement, là, la personne qui veut qu'on l'aide, bah, Lolo Beauté a dit qu'entre eux, blogueurs, là, quand il y a un truc, là, il se voit, il se dit, bon, on se clash, ça fait ça, ça fait ça. Lolo Beauté nous a dit, nous tous, on a compris le game. Donc, la personne qui veut que maman, il apprend, je prends ma connexion, je prends de mon temps. Tu vas traiter avec chef du village, avec GM, avec Bouba. Maintenant, on se met dans la danse, on se clash un peu, ça attire la cotisation. Mais sinon, ça l'a parlé pourquoi? On parlait de la même chose. C'est-à-dire, la même chose est la même chose, ça ne changera pas. J'ai dit, c'est-à-dire que le bois a beau durer dans l'eau, là, il ne deviendra jamais poisson. J'ai dit, le bois a beau durer dans l'océan, là, il ne va jamais devenir poisson. Nous-mêmes, on sait que 9 ne peut pas devenir chose, 6 ne peut pas devenir 9. Donc, on a passé notre temps à venir encore. Ah, qui nous paye? Les divines ne nous payent pas. On n'a rien à gagner. Les Bondougouens ne nous payent pas. Bondougou aussi, là, ce n'est pas clôturé. On ne prend pas visa pour aller là-bas. On ne prend pas visa pour aller à Bokanda. C'est-à-dire sans preuve, rien. C'est nous. Non, moi, en tout cas, il n'y a pas quelqu'un qui va allumer son panel sur ce sujet, ça, là. Et puis, nous, on va venir animer, quoi. Tiens! Les gens sont en salle de réanimation, en train de réanimer leurs malades. Toi, tu n'es pas médecin, on t'appelle pour dire viens, et puis tu viens. Pourquoi? Ils n'ont qu'à menacer. S'ils veulent, ils n'ont qu'à faire plus que menace. Il a dit, nous tous là, on va adopter le comportement de Papa Dibi. Et puis de Maman Ouattara Mariama. On a compris que le silence là, quand on disait que le silence est or là, on a vu que le silence là, ça a son effet. C'est de ça qu'il s'agit. Ah, le silence a son effet. Ils sont là en bas, en bas. En bas là, c'est nous. Nous-mêmes, on est en bas. C'est nous, on est en bas là. C'est nous, on est en bas. Moi, je prends téléphone. Livy prend téléphone comme ça. Et puis elle appelle la maman. La maman que tout le monde a envie d'être à sa place là. Livy l'appelle comme ça. Il dit direct, il n'y a pas intermédiaire. La maman que tout le monde a envie d'avoir son ventre là. Tout le monde a envie d'avoir ce qui est sorti de son ventre là. Ça court derrière là. Livy l'appelle. La petite soeur est toujours en contact avec Livy. Moi-même, j'appelle la tante. J'appelais la tante direct. Je lui ai dit, ah, vraiment, faites quelque chose. Elle m'a dit, ma soeur, faut décharger. On ne fera rien. On ne va pas parler. Il faut décharger. Mais moi, je les avais dit ça depuis. J'ai dit... Donc, quand ils sont là en bas, c'est nous, on est en bas. Tout dit. La personne qui va aller taper coco chez les Dibi, là. J'ai dit, mais à la seconde, Delta Force va appeler JM. Ils sont toujours en contact. Delta Force va appeler Bouba. Moi-même, ma propre fille, Sira va me dire, maman, délégation arrive. Maman, reste connectée. Quand ça s'en va à Bondougou, là, dès que ça fait comme ça à Bondougou, il y a dit la tante, hein, elles sont mes soeurs. La tante, hein, il y a dit pas quelqu'un d'autre, la tante, la propre soeur, elle va me dire tant. Et puis, il dit. Donc, nous-mêmes, là, en bas, là, on est dedans. Quand on dit, on parle des gens comme ça qui ne nous connaissent pas. On parle des gens comme ça. Il n'y a pas secret. Ceux avec qui vous devez faire secret là, c'est nous. Ils vont faire quoi chez les Dibi et puis JM ne sera pas au courant. Dès qu'il appelle Delta Force, Joe, c'est comment? Il va lui dire tout. C'est nous, on gère le secret. Où on dit secret là, c'est là-bas, Maman Ina est. C'est secret là, c'est Maman Ina même, elle dort dans le secret. Et puis elle attend. Donc, il y a tant de voix. Donc, quand quelqu'un qui dort dans le secret, tu as venu lui dire qu'il y a quelque chose qui se passe dans le secret, alors que c'est elle-même qu'elle dort dans le secret. Donc, c'est nous, on dit à nos éléments, nous, on ne veut plus parler, on ne veut plus parler cadeau, on ne veut plus parler, et puis les gens vont cotiser sur nous, on ne veut plus dire des choses, on n'a rien à dire, et puis surtout qu'on n'a rien à dire. On n'a plus rien à dire. Maintenant, si quelqu'un dit qu'il est capable de transformer 6 en 9, nous on veut voir. On devient des saints Thomas, on voit. Si on a vu, on va analyser.
Parce qu'on est des intellectuels, on est parti à l'école, on sait analyser. On sait analyser les choses. Donc, si on a vu de nos yeux là, on va analyser. Mais tant que moi, je n'ai pas vu 6 qui est devenu 9 là, je n'ai plus rien à dire. Je n'ai plus rien à dire. Je prends le silence de ma soeur et puis j'observe. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit? Elle a été menacée, elle a été insultée, on l'appelle maman adoptive, tout ça là. Mais elle ne tressaille pas. Mon père, je dis, vous pensez que ça peut faire sortir maman, madame, vous savez que vous avez joué bidet. Ça ne peut jamais la faire sortir. Nous, les Bondoukouins, on n'est pas dans le fla-fla. Voilà, c'est ça. On n'est pas dans le fla-fla. Tu dis quoi? Raconte-moi ici. Jusqu'à l'appeler maman adoptive. Maman adoptive. Maman adoptive. Elle s'est pas habillée. Elle a porté son de couleur. Non, la femme, elle est forte. Ils sont venus. Dibi est mort. Il est en prison. On baisse son cuit. J'ai dit, le mort est là. J'ai dit, les deux là. J'ai dit, aujourd'hui là. Non, Ado doit les décorer. Mais ils ont le comportement de Ado. Ado même, il est fort dans ça. Hein. Voilà. Le long message qu'il m'a envoyé là. Regardez-moi ça là. Attends, moi-même, peut-être hier, regardez dans pour moi, peut-être moi-même, j'ai reçu aussi. Oh. Il m'a envoyé ça à inbox, long message. Quand tu es maudite. J'ai dit, un maudit ne peut jamais maudire quelqu'un qui est béni. C'est parce que je suis béni que ma voiture là, lui fait mal. Il me voit conduire parce que pendant que lui, il est piéton là, ça lui fait mal, mais il va vivre ça. Il va vivre ça toute sa vie au nom de Jésus. Il dit quoi même? J'ai une folie. Il dit, tu es maudite. Maudit. Maudit ton enfant et j'ai mis au monde à des grands son quand tu dis notre champion tu es maudit. Faut dire notre enfant à dingue que je l'ai couché à l'hôpital à l'hôpital maudite femme malhonnête. Tu vas mourir dans voiture que tu as. C'est lui-même qui va mourir dedans au nom dans de Jésus. Un jour parce que tu dis pas la vérité. Il n'y a pas vérité en toi. Tu aimes la vérité. Si tu n'es pas dit que c'est toi qui as accouché à des grands, j'allais comprendre. Maudite femme. Maman, bois un peu d'eau. Maman, bois un peu d'eau. Maman, bois. Attends, j'ai fini de lire. Maudite famille. Tu penses que tu es dans voiture et tu es béni. C'est parce que tu es maudit. Souvent il dit maudit, souvent il dit maudit. Tout ça l'on prend. Mais parce que c'est de lui-même qui parle. C'est de lui-même qui parle. Donc, j'étais envoyé là-bas pour ne pas comprendre les choses de Dieu. Tu penses que tu. Mais il t'a envoyé ça par rapport à quoi, ma soeur? Je ne sais pas, parce que moi, depuis le début, j'ai fait une vidéo où j'étais même en vacances en Côte d'Ivoire quand j'ai fait la vidéo. J'ai dit, la dame, ils sont en train de. Elle a fait une fausse route. Et que moi, je ne suis pas du fait qu'elle ait perdu un enfant. C'est vrai qu'elle ait perdu un enfant, mais la démarche, elle est très fausse et que la démarche est très mauvaise. Et qu'ils auraient mieux faire de l'indiquer. Où elle doit aller trouver des autorités compétentes pour l'aider à retrouver son enfant parce que ce qu'ils sont en train de faire, ils sont en train de l'éloigner de la vérité. Donc, moi, je défendais Adengra. J'ai dit, Adengra, c'est notre enfant et il restera notre champion. Ça ne va pas bouger. Et que ce qu'ils sont en train de faire... C'est pour ça qu'il t'a envoyé un message là comme ça. Oui. Oui. Il a, c'est au fait, j'ai dit, c'est... Vu que lui-même, il a dit, il est maudit lui-même. Vu que c'est lui le maudit. C'est pour ça qu'il n'arrive pas à bien écrire la phrase. Parce que c'est lui le maudit. Parce qu'un enfant béni, un maudit de la vie ne peut jamais le maudit. Parce que moi, ma mère m'a béni avant de mourir. Et c'est éternel. Voilà. C'est éternel. Du coup, tout ce qu'il a dit, ça ne me concerne pas. Je lui ai fait retour à l'envoyeur et il va vivre ça. Et il est piéton. S'il n'est jamais monté dans voiture, ce qu'il a dit, c'est que c'est vrai. Mais s'il est déjà monté dans voiture, il va vivre ça.
Il va vivre ça dans le nom de Jésus. Il va vivre ça. Il va vivre ça. Il pense qu'il a la facilité. Après, là, ça devient sérieux. Hein? Oui. Ça devient une maladie, quoi. Mais bien et sûr. Puis, la même manière qu'il a écrit le message comme ça, là, c'est un très long message. Moi-même, il m'a envoyé deux. Mais moi, quand il m'a envoyé, bon, parce que moi, quand je fais une lecture, dès que je vois que les deux premières lignes sont c'est un peu bizarre, là, tiens, moi, je coupe, hein. Je viens maintenant voir la conclusion. Mais quand il a fini de parler, moi je l'ai recadré, je l'ai tagué et j'ai pris une vidéo, mais je sais pas, il a envoyé ça dans son truc, dans son PV. Maintenant, là, même hier, quand mon frère Mika était en ligne, il partage pour m'envoyer. Même quand quelqu'un est en ligne, il partage pour m'envoyer. Mais moi, je fais vu et ignorer en fait. Mais où il est parti, mais il allait trop fort. Parce que s'il doit prendre toute sa vie en train de menacer les gens comme ça, il faut qu'on puisse arrêter. Sinon, plus tard, quand il aura encore un autre sujet un peu dangereux que ça, mais il risque de tuer quelqu'un dedans. Donc lui, on va lui coller une petite plainte rapide là. Et mais puis demain, voilà, quand on va dire qu'il y a un débat, il ne va plus faire ce qu'il veut. Parce que tu ne peux pas menacer trois personnes. Non, une personne peut dire non que tu es en colère, dans l'euphorisme du truc. Mais deux, on peut dire bon, là, tu es allé un peu fort. Mais trois personnes, non. Toi, tu es comment? Tu es comment? Et puis on ne peut pas dire quelque chose. Même si on dit que tu es comme moi-même, tu es qui même dans la loi. C'est qui est en train de le fatiguer parce que ça lui fait mal de voir une femme conduire une voiture pendant que lui, il est un piéton chronique. Voilà. Mais lui, en fait, lui, là, tu vois, ça va lui arriver ce qu'il a dit là, lui-même. Marie-Lyon, tu vois, le gars qui est là, quand j'ai pris le temps de lire toutes ces vidéos, la seule chose que j'ai retenue, vous voyez un peu les gens qu'on met à l'école. Et puis à l'école là-bas, ils étaient très impolis, puis ils ne partaient pas à l'école parce que le papa était encore en vie. Et puis ils se disaient, voici, papa meurt, il prend le champ là. Voilà, c'est un élément comme ça. Donc maintenant, il a vu que le vieux est décédé, il est au champ, mais il se rend compte que tous ceux qui ont pris au sérieux l'école, ils sont en train d'avancer. Donc la seule chose qu'il fait, il fait divers. Mais JM, de toi à moi, quand je lis son message là, qu'est-ce qui lui a fait autant mal? Il y a quoi? Son problème, c'est quoi? Mais je sais, on ne sait même pas même. C'est le fait que j'ai reçu plus que lui et que je vais reçu plus que lui et que toute sa descendance seront des esclaves de leur village. C'est ça qui lui fait mal. Parce que la lumière dérange ceux qui sont dans l'obscurité. C'est ça qui est le problème. Ça le dérange. Tu vas envoyer un message à quelqu'un. Ça le dérange. Quelqu'un que tu ne connais même pas. Parce que la personne dit non que la démarche, elle est mauvaise. Mais oui. Parce que moi, je sais pas. Mes vidéos sont là. Elle-même, elle n'a rien dit de méchante. Elle dit la démarche n'est pas la bonne. Ça, c'est même un conseil. C'est même un conseil. Est-ce que ça, tu as besoin de te fâcher pour écrire n'importe quoi comme ça? Non, ça le dérange le fait que je leur dise la vérité. Même Miss Dogo, je dis, on n'est pas d'accord sur le sujet, mais demain, on peut être d'accord sur un autre sujet. Ça ne fait pas d'elle mon ennemi. C'est parce qu'ils sont animés d'un mauvais esprit que eux tous, là, ils font ça. Parce que tantôt, ils disent, si la dame n'est pas à Bandoukou, ils vont la dire. Si elle fait ici, ils vont lui faire du mal. C'est parce qu'en réalité, les gens qui supportent cette dame sont animés d'un esprit diabolique, sont animés d'un esprit de méchanceté. Bon, finalement, voilà. C'est pour ça que nous, on a décidé de ne pas parler. Parce que c'est eux qui cherchent quelque chose. Mais eux, ils pensent que nous, on veut empêcher quelque chose. Moi, en tout cas, j'ai dit, je ne suis pas actrice. Je suis là pour la vérité par rapport à ce qu'elle a dit. Donc, j'ai commenté pour l'aider à trouver son vrai enfant. Parce qu'elle-même, elle a dit, je ne vais pas prendre enfant de quelqu'un. Donc, si tu ne veux pas qu'on prenne pour toi, il ne faut pas prendre pour quelqu'un. Maintenant, ils ont fait de nous des acteurs. Parce qu'eux, ils sont des acteurs. Et ils se battent pour que ça devienne. Alors que moi, je suis mère. J'ai 5 enfants et je sais qu'un enfant ne devient pas. C'est un enfant, il est ton enfant ou il n'est pas ton enfant. Exactement. Ah, tu peux adopter, mais dire qu'un enfant va devenir ton enfant biologique. Non, sinon tous les enfants sont nos enfants. C'est ça. Le problème, il est mon enfant parce que je peux le mettre au monde. Mais pour devenir enfant biologique, là, ça c'est une seule mère. Donc ça, là, ça ne peut jamais devenir. C'est comme le 6 ne peut pas devenir 9. Le bois ne peut pas devenir poisson dans l'eau. Donc ça, là, on ne peut pas toujours parler. C'est-à-dire que quand on parle, c'est ce que nous, on dit qu'on prend pour que la cotisation rentre. Non, on a compris, on s'est tué. Et puis on dit, bon, on va voir. Et puis ce n'est même pas par là, mais ça ne devait même pas être par là même.
quand on c'est a même vu pas que... parlable. Oui, c'est même pas parlable ils même. Sont animés d'un oui. esprit démoniaque, moi c'est jusque tout. Là j'ai toujours dit, je dis je vois même pas le côté injure parce que si. Je vois pas, moi je ne vois pas, moi depuis que j'ai commencé j'ai jamais injuré. J'ai dit quand eux ils font là, c'est par rapport à eux, j'ai dit troc d'enfants, c'est par rapport, j'ai dit ça ne passera pas. Sauf si pour la première fois je vois, si ça passe, moi aussi j'ai essayé. Moi j'ai dit, si ça marche, j'ai essayé. Moi même je sais que ça ne peut pas marcher. Mais c'est une façon de parler. Ça ne peut jamais marcher. Maintenant, des gens vous défient pour dire qu'on ne parle plus parce que le 6 ne peut pas devenir 9. Au lieu de menacer les gens, apportez des preuves. C'est ça. C'est tout, apportez des preuves. Aïe, parce le moral ne vous calcule preuve. Pas. Ils n'ont pas non, preuve. Non, même on est en train de parler. Le moral aussi, il va pas donner jeton même à chef du village. Parce qu'il n'a pas envoyé chef du village. Lui, il s'est dit que, de toute façon, moi, je ne la calcule pas là. Son souhait est que tous les blogueurs même qui la soutiennent fassent la même chose. C'est nous-mêmes, notre ouais, pien. Et puis, on est dedans. Sinon, le moral même a dit à Ivy comme ça, net. Faut même pas rentrer dans ça même. Je ne vais même pas donner l'heure. Il a dit ça. Mais ils ont commencé, moi je leur ai dit. Moi je dis, suis je te je dis et je te confirme. Livi n'a pas caché à quelqu'un. Je elle sais, l'a je sais. La femme qui est son ventre là, son ventre donne envie à toutes les femmes là. Son ventre qu'on veut remplacer par ventre de quelqu'un d'autre. J'ai dit, la femme que son ventre. J'ai déjà fait la vidéo, j'ai dit ça. Lévi parle avec elle comme ça. J'ai dit, elle est sereine et impérative. J'ai dit, elle ne va pas sortir. J'ai dit, moi, je suis bonne du je sais comment on fonctionne. Elle ne va pas elle sortir. Elle est sereine et impérative. J'ai dit, j'ai jamais. J'ai dit, moi-même, j'ai pris téléphone. J'ai appelé la tante. Tellement qu'à un moment donné, là. Parce que nous, on est chaud. J'ai dit pardonner. Quand j'entends mère adoptive, ça me fait mal. Elle dit, exactement. Ils vont sauter. Ils vont sauter. Ils vont sauter comme sauterelles. Pour la preuve, ils n'ont pas dit que tout le monde ne peut pas avoir comportement de bébé. C'est ça. Tout le monde ne peut pas avoir comportement de bébé pour dire, tu vas agir. Non. Dès que, comme chez nous, là, quand tu gifles ici, tu gifles là. Tout le monde, moi-même, j'ai dit, ma belle-mère, la maman de mon mari, il a dit, façon, elle est froide. J'ai dit, façon elle est froide. J'ai dit, tu vas sauter, monter, descendre. J'ai dit, tchac, elle dit pas. Il y a des gens, c'est maintenant, moi j'ai vu que ça donne. Hein. Nous on est chaud. Dès qu'il y a quelque chose, non. J'ai dit, moi c'est sur cette histoire-là. J'ai tiré des leçons. J'ai vu que dans la vie, là, c'est pas pour nous là qui. J'ai dit, façon, moi ma belle-mère respectée. Il y a une façon, elle les respecte. Devant une situation, elle ne réagit pas. Mais ce qu'elle veut faire, là, c'est dans son ventre. Et c'est pour elle là, qui sera ça. C'est ça. Il dit, ne réagit pas. Hein. Moi, mon mari est comme ça. Il dit, quand je suis fâché, j'ai crié, j'ai fait ça. J'ai mon mari est là, t'es cool. Jusqu'à quand il fait pas là. Voilà, tu ne me supportes jamais. Quand je suis là, tu ne me supportes jamais. On dirait que tu es contre moi. Nanana. C'est le caractère. Il ne réagit pas. Parce que lui, il va... Même moi-même, quand il me voit faire les lives, les... que Jean, il me dit le commentaire, c'est toi aussi. Hein? Quelqu'un est dans ses délits et puis... Oh, et puis, il s'en va. Il trouve que j'ai rien à faire. Il dit, chaque fois qu'il me voit faire live, là, il trouve que j'ai rien à faire, quoi. Il a mais le même... Tu sais, maman, comment on appelle ça? Vous voyez, en fait... Ce gars-là, comme je l'ai dit avant de commencer avec Marie, le gars en question, il n'est envoyé par personne. Mais c'est ce que j'ai dit là. Vous savez, les gens sont frustrés. Sinon, quand vous voyez l'écriture qui est juste dans mon dos là, est-ce que lui là, si quelqu'un n'est pas frustré, il ne peut pas écrire tout ça. Oui, mais c'est ce que j'ai dit là. Il voit qu'une femme qui est son égale a voiture, elle conduit, elle est à l'aise, elle mange comme elle mange 3-4 fois par jour. Sa maison est heureuse. Donc lui-même, il est malheureux jusqu'à il se dit qu'est-ce qu'il a fait pour échouer sa vie. Mais ce n'est pas de ma faute, mon frère. En tout cas, si tu insultes une inconnue, maudite, en quoi la personne est maudite même? Voilà. Il ne sait même pas. Toi-même qui es béni de Dieu là, ton cœur t'a chauffé jusqu'à tu es rentré en PV de quelqu'un. Je te dis, c'est l'aigreur qui fait ça, l'aigreur. Vous savez, quand quelqu'un est aigri, là,
quand quelqu'un est gris dans son Le truc, c'est entourage, il ne peut quoi? pas faire. Donc, il Allô? fait ça derrière les claviers. Excusez, hein? Excusez. Voilà, parce qu'ils sont versés sous la page. Ils sont Allez-y, venus. sachez une seule chose, que nous, on ne veut plus être à la base des acteurs qui vont amener les pauvres mamans émotionnelles à cotiser. Donc, Vas-y, laisse commission. vous, voilà, Voilà. vous qui nous menacez maintenant, vous avez, nous quand on parle de menacer, ou bien depuis qu'on parle, on parle avec des preuves. C'est ça. Ce gars qui a envoyé ça, il m'a envoyé le même message, je l'ai recadré. Je lui ai dit, frère, tu es au village, on apprend comment vivre normalement. Il a envoyé le même message, ou bien bon, plus dangereux au chef du village. Le chef du village a dit, non, c'est pas moi qui t'ai envoyé en prison. Mais comme il arrive encore à menacer pratiquement tous ceux qui sont dans l'opposition d'idées, donc moi, j'ai dit ouvertement, faites capturer et envoyer. Moi, ce gars-là, il s'appelle Ndri quelque chose là. Il est en Côte d'Ivoire dans un village. Je vais aller porter plainte contre lui. Je le connais, oh, je le connais. Si tu veux, si tu veux nous menacer, si tu veux nous insulter, insulte-nous. Moi comme ça là, sur Facebook, il y a deux noms. Sur Internet, on m'appelle Monsieur Pagne ou bien Né en Trois. Et j'adore ma partie. Parce que c'est ça qui me plaît même. Mais si tu veux me menacer, les seules personnes habilitées à accepter ceux qui se menacent, c'est la police. Donc, dites à M. Séverin qu'il aura une plainte venant de la part de M. Kwasi Kwadio Jean-Marc. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est moi. J'aime la cellule qui est là. Il aura ça d'abord. Je vais appuyer. Chef du village va déposer. La dame à qui tu as envoyé aussi ce message aussi, on va déposer. Et puis, tu vas aller là-bas. Quand on va arriver là-bas, là, tu vas s'expliquer pourquoi tu menaces les gens. Il a menacé Seri Krangba. Encore? Il a menacé Seri Krangba jusqu'à il a donné rendez-vous à Seri Krangba. Merci Seigneur, j'ai écrit à Seri Krangba tout à l'heure, voilà. Qui m'a même capturé là. Ils vont l'attraper aujourd'hui ou bien demain, c'est moi qui vous dis ça. Non, Seri Krangba, il a fait verbalement. Il a fait, si tu as enregistré, il a fait verbalement, ils se sont bien insultés. Voilà. D'accord. Que si lui, il a jusqu'à Seri Krangba, ici, les garçons, ils se sont donné rendez-vous derrière, je ne sais pas, château de André. Ce monsieur-là. Si vous allez porter plainte là, dites-lui qu'il n'a qu'à marcher pour partir. Lui, là, ce qu'il recherche dans cette histoire-là, ce qu'il a dit là, ça va lui arriver. S'il monte dans voiture là, ce qu'il a dit, ça va lui arriver. Oui, sauf si mon cordon ombilical n'est pas enterré dans mon village. S'il monte dans voiture, ce qu'il a dit là va lui arriver. Au nom de Jésus, ça va lui arriver. Parce que moi là, c'est ma mère qui m'a poussé à l'hôpital. Mon village s'appelle Tabagne. À côté de mon village, voici le village d'Adengra. Donc, il ne sait pas à qui il a fait. Moi, je prie un Dieu. Et mon ange gardien là, il est très vaillant. Il est très glorieux aussi. Ce qu'il a dit là, ça va lui arriver. S'il s'en va, il n'a qu'à marcher à pied. Ou bien il n'a qu'à prendre vélo. Voilà. On est sur Internet. Et puis, il n'a qu'à prendre vélo, il n'a qu'à marcher à pied. Parce que s'il prend voiture, Marie, il va vivre ça. Marie, en fait, les gens n'ont pas encore compris. Sur les réseaux sociaux là, si vous voulez taper, c'est quoi un réseau social? Les réseaux sociaux, nous sommes des acteurs. C'est quoi toujours ma lutte? Je dis, n'insultez pas les gens. N'insultez pas les gens. Moi, si tu veux m'insulter, ça me dirait. Parce que moi, quand tu m'insultes, je te recadre avec la petite intelligence que Dieu m'a donnée. C'est ça. Le premier jour, il l'a fait. Je l'ai recadré et lui dire que c'est au village qu'on inculte la vraie valeur. Jusqu'à aujourd'hui, c'est sévère en question là. Il m'envoie les directs, il me partage direct de Midobo, de Mika. Et puis encore, il y a une nouvelle dame qui est sortie. On lui dit d'aller cotiser. On lui dit d'aller cotiser. S'il est trop fâché, là, il n'a qu'à aller cotiser. Il n'a qu'à aller construire une maison. Maintenant, si tu veux rentrer dans l'histoire de venir pour menacer tout le monde, là, frère, aujourd'hui, quand je vais finir ce live, là, je vais rentrer dans ton PV. Parce que moi, je n'étais pas bloqué. Moi, je ne bloque jamais quelqu'un. Je recadre les gens. Je vais rentrer dans ton PV et puis je vais te dire. Tu as une seule journée pour t'excuser avec les quatre menaces. Céline Kramba, Marie La Lionne, Jean-Marc Kwadio que je suis, et puis chef du village, pour tes menaces. Au moins si c'est un jus là, on va te bien ma aussi, bien même zo. Mais comme tu menaces, allez-y, dis, faites capture, envoyez à ce gars-là. Tu as jusqu'à cette journée, demain, si jusqu'à 10h, il n'y a pas eu de vidéo d'excuses, moi, tu vas voir, il y a des captures. Lui, il vient te donner. Quel que soit où tu es là. Ça me fait, des ça captures, me fait plaisir. Envoyer. C'est moi qui te dis ça. Tu as eu qu'à. Quand il finit même là,
D'accord. Et puis, Dieu sait que tous mes directs sont enregistrés. Parce que moi, je sais pourquoi il y a mes directs. Vous ne savez pas pourquoi il y a mes directs. Je vous dis ça aujourd'hui. Parce que demain, les gens se basent sur ça. Vous dites, okay, il avait dit. C'est là qu'il fait sortir mes directs de 2016 jusqu'à aujourd'hui. Parce que moi, je sais que ce que tu dis aujourd'hui, ta parole te condamne. Toutes mes vidéos jusqu'à aujourd'hui, moi, je ne suis pas vidéo. Autant de congélateurs, vous qui ne savez pas, vous les nouveaux blogueurs, là, autant de congélateurs. Tous ceux qui sont venus, manager a fait ou il n'a pas fait. Dès qu'ils ont vu qu'il y avait une déchéance au niveau des congélateurs, ils ont supprimé eux tous leurs vidéos. Même le vieux PTS que le sultan, il n'y a pas un. Ils ont supprimé eux tous leurs vidéos. C'était humiliant. Un homme se distingue par sa parole donnée. Tu viens menacer les gens. On est en parable. Ils sont montés sur parler des mica, il y avait 1h30, on était en parole, même pas un juge. On a été tué, qu'on a causé. Les gens ont signalé, je suis descendu. Même si au lieu, il a direct que je monte, peut-être que ce sont les gens qui m'ont insulté, puis je ne vais pas répondre. Et Mika même a dit non, ne l'insultez pas. Mais toi, tu rentres dans le PV et tu menaces. C'est des noms qui ont voulu d'envoyer. Tu as monté là-bas pourquoi? Toi aussi, tu es monté là-bas pourquoi aujourd'hui? Non, maman, c'est pas maintenant, ça fait maintenant 2 semaines, bien une semaine, hein, je pense que c'est un truc comme ça. Ah, je t'avais vu là-bas, je t'avais vu. Oui, là-bas, oui, hein. Il y a longtemps. En fait, j'étais monté parce que le jour, on avait notre directeur, on a dit non, que n'insultez pas là. Lui aussi, il avait repris ça. Et moi, ça m'a plu, Mise Debout avait dit aux gens, arrêtez d'insulter. Oui. Ah, aussi, je t'ai vu là-bas. Ah, donc, du coup, je suis monté pour le féliciter. Et puis, il a dit, ah, leader, je veux qu'on cause un peu, toi et moi. Même quand on causait, il y a d'autres qui voulaient m'insulter. Il a dit non, 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 taisez-vous. Comme il y a une dame en bas, moi j'ai aimé sa gamme. Elle faisait descendre, toi tu veux m'insulter. Mais arrivé un moment, ceux qui sont en train de menacer là, c'est pas bon les gars. L'affaire, non, non, c'est tu. Non, c'est tu dans l'affaire. On vous a dit cotiser, si vous voulez. Mais nous, on ne peut pas être acteur de cette cotisation. JM, ne vous fatiguez pas. C'est un gros illettré saisi dans le campement. Avec sa connexion à 2 balles. Oui, non, c'est un gros illettré, mais il faut qu'on lui montre aussi. Parce que si on le laisse là, non, si on le laisse là, demain, il peut même, pourquoi pas même frapper quelqu'un qui va croiser. Parce qu'il ne sait pas que non, les réseaux sociaux, ce sont les acteurs. Que chacun est libre. Demain, là, si on laisse ce gars là, demain, dans autre, peut-être oui, autre débat. Il menace tout le monde. Il menace tout le monde. Il ne faut même pas te fatiguer. Nous, là seulement. On va le laisser. Il est violent, il a très mal. Il faut le laisser. Si les garçons n'ont qu'à aller construire ou bien n'ont qu'à transformer 6 en 9. Oui, Anna, maman Félix, on dit, bonsoir. Anna, pardon, il faut monter. J'aime trop quand tu parles là. Bonjour. Okay. Bon, c'est quelque chose. Bonjour, maman. Comment vous allez? Mais ils sont en train de nous menacer maintenant là. J'ai essayé de lire un peu le message du monsieur. Apparemment, c'est ce que la dame l'a dit en bas. Hein. On a affaire à quelqu'un. Je ne sais pas c'est qui, mais vraiment, avec les nombreuses fautes dans ce qu'il a écrit, là, vraiment, ça croit qu'on a affaire à quelqu'un. C'est ça. C'est lui là qui dit qu'il va réfléchir et puis il va nous imposer sa réflexion. C'est n'importe quoi. Mais cette histoire-là même, hé Seigneur, les gens continuent encore avec cette histoire-là. Tant que, attends, si c'est maintenant, c'est chaud. Oh, vraiment. Le père, il est en salle de réanimation. Mais le gars même donne pas nom même. Le jeune homme ne donne pas nom. Mais ça, c'est à quoi tout ce tour. Il dit Doïda. Il dit, non, le jour, il a dit ça là. Il dit, non. Il est fort de caractère. Hein. Non, il est fort de caractère. Moi, j'aime bien ce genre de personne-là. Ça, j'aime la réaction de ses parents. Moi-même, là, il est devenu comme ça. Je te jure, moi-même, j'aime éduquer. Quoi. J'ai vu ça sur ma belle-mère. Mais je pensais que c'est elle était méchante. Mais à partir de maintenant, là, moi-même, j'aime éduquer comme ça. J'ai essayé d'être un peu comme ça. Parce que on m'a toujours dit que le silence est or. Ben bah oui, ça fait mal. Ça fait plus mal. Ça fait, silence fait mal, hein. Ça fait mal. Cette histoire-là, ça va s'éteindre un peu. Ils seront fatigués, ils vont se calmer, franchement. Aïe, on dit que c'est 2 personnes qui font palabre. Si tu es en train de faire palabre, il n'y a pas quelqu'un devant toi. Tu as arrêté. Aïe. Ouais. Moi, ce qui me fait mal, c'est la réaction de. Bon, enfin, la réflexion de certains de mes compatriotes ivoiriens. Franchement, ça fait un peu honte. Nous, les Ivoiriens, on aime faire le malin. Les réflexions tordues. L'histoire m'est venue tomber sur nous et puis d'autres prennent une trajectoire différente. Franchement, j'étais déçu par certaines personnes, surtout certaines personnes qui me semblaient, en tout cas pour des profils où je vois qu'ils sont un peu intellectuels là. Vraiment, ça m'a fait mal.
J'ai dit, mais on ne peut pas réfléchir comme ça. Il a dit, le français, on n'a qu'à faire live. On n'a qu'à animer, on n'a qu'à animer panel 6. Si nous, on a fini. Aïe. Ils sont en train de traîner la pauvre dame dans... On a fini 6, mais pas devenu 9. La personne qui dit les femmes, la personne qui dit les garçons, il n'a qu'à apporter preuve du contraire de ce que nous, on a dit. Il dit, c'est ça. Pas son enfant. Et ça ne sera jamais son enfant. Comment elle dit ça? Il a dit, elle parle plus de ça. Il n'y a pas en bas. Ils sont en train de faire quoi aux gens, en train de régler en bas. Mais en bas, là, moi-même, ici en bas. Je sais en bas. Il a dit, lui, il parle avec la maman. Moi, je parle avec la tante, c'est ma soeur. Chez les Dibi, là, j'ai ma. Il a dit, dès qu'on arrive, on dit, on va aller chez les Dibi, même jour. Delta Force va nous publier ça comme ça. Si la va nous publier ça comme ça. Il a dit, si la même va filmer tout, on nous dit. Il a dit, dès qu'on dit, on sera à Bandoukou, portail de Bandoukou, si on ouvre net. Il a dit, la tante et moi, on se parle comme ça. Ce sont mes soeurs. On se cause à chaque minute. Elle-même, elle m'a dit, il faut déposer. Elle m'a dit, ça faut déposer. J'avais mal pris. Hein. On veut régler un problème. Faut déposer. J'avais mal pris. Mais aujourd'hui, là, j'ai compris que des gens avec qui on se parle à toute heure. Comme vous, vous parlez à elle pour vous. Donc, il y a quel en bas? En bas, là, c'est nous, on est en bas. Il n'y a pas de en bas. Il n'y a pas de en bas. Et puis, rien ne se fera en bas. Tout va se faire en haut. Il n'y a pas en bas de... Qui va faire en bas avec vous? Et puis, vous allez venir dire ce qui n'a pas été dit. Vous allez venir dire que ça a été fait. Personne ne fait en bas. C'est vous, dans vos imaginations populaires, là, que vous voyez en bas. Qui va traiter quelque chose avec vous? Mais ils n'iront pas. On est à près de trois... Combien de mois maintenant? On va vers 2 mois, 3 mois, ça ne se fait non, pas. Ils s'imaginent des trucs. Ils sont en train de dire aux gens, non, 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 en bas, gens, discrétion. Il n'y a pas de discrétion, c'est doy. Je mets quiconque au défi. Je mets quiconque au défi. On est Saint Thomas. Je dis, je mets quiconque au défi. Dakar sorti une petite minuscule d'action. Moi j'ai un problème. En fait, les Ivoiriens, dès qu'il y a quelqu'un qui se présente, quand une situation arrive, soit sur la toile ou quelque part, si il y a un petit côté de détresse au niveau de la personne net, on prend parti pour la personne. Moi j'ai un problème avec ça. Si vous avez échoué, moi j'ai toujours dit, j'ai dit projet de construire maison là. Il suffit que il y ait des petits mots. De oui, sinon là, j'ai fait capture de la dame qui a dit que c'est sa maman, mais la ressemblance est faute. Tiens, j'ai t'envoyé la photo. Mais là, d'abord. Il a dit, la ressemblance est trop faute. Mais pourtant, ça s'est avéré fausse. Bah donc, oui, hein. Moi, je pense que cette histoire, comme on l'a dit, on connaît la vérité, c'est le 6, ça ne peut pas devenir 9. Maintenant, si quelqu'un dit non, parce que les gens qui cotisent disent, mais attends, pourquoi vous ne portez pas plainte? Attends, non, on a cotisé. Mais, et puis, je ne sais pas qui conseille des gens, quoi. Moi, j'ai dit que je vais être leur conseiller. Toi, c'est-à-dire que tu fais une cotisation en comptant sur l'émotion des gens. C'est-à-dire, il faut que les gens soient émotifs pour cotiser. Et toi, tu t'es dit, OK, oh là là, c'est fait. Le Messie, il est arrivé. Mais quand tu dis le Messie est arrivé, si moi, je veux cotiser, je vais arrêter. Parce que le Messie, il a les moyens. Je ne sais pas si tu comprends. Donc, je me dis, si je voulais cotiser, j'ai dit, ah, gloire à Dieu, le Messie est là. Donc, ça ne sert à rien de cotiser. Donc, si c'était une stratégie, ce n'est pas intelligente comme stratégie. Ce n'est même pas, c'est pas la bonne stratégie. La stratégie, là, c'est de continuer de dire, il a renié, il n'a pas reconnu, nanana. C'est toi-même qui fait que les gens cotisent. Sinon, on les met, alléluia, gloire à Dieu, victoire. Tout ça, c'est doy, 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 doy. Oh, vraiment, les Ivoiriens vont me dire. Excusez-moi, hein, excusez-moi. Il y a une qui dit que la dame a déjà récupéré son enfant. Je suis d'accord. Si il a déjà récupéré, si elle a déjà récupéré, mais qu'est-ce qu'elle dit à ses chiens errants de rentrer en cage?
qui partent dans les Elle a, inbox elle a récupéré, ou et puis il y a qui des gens qui n'aillent pas dans continuent de les inbox menacer. des Elle a gens pour les récupéré, puis on menacer. fait toujours live. Attendez, excusez, émotion, émotion. Une seule chose. Le jour, on a dit qu'elle a récupéré là. Le jour, elle a récupéré là. Lui-même va dire arrêtez de cotiser pour ma maman. C'est ça. Très bien. La dis tu dis qu'elle a récupéré, tu dis qu'elle a récupéré son enfant. Maintenant, rentrez en cage. Parce que vous si êtes déchaîné dans un box des gens. Comme JM l'a dit vous êtes là. Déchaîné dans un box des gens. Merci il faut pour la cotisation. Il faut et puis arrêter de vous déchaîner dans un box des gens. C'est doy, c'est des menteurs. Si vous avez récupéré, tant mieux. Ça, c'est vous qui voyez. Mais quand vous êtes, quand on est serein, on ne va pas menacer les gens en inbox. Et puis, vous dites que vous êtes menacé. Montrez les preuves de vos menaces. Nous, on montre les preuves. Voici les preuves. Parce qu'on ne parle pas dans le vent. Quand vous parlez, on nous a menacé. Quand on menace quelqu'un, il sort les preuves. Les preuves sont là pour justifier. Les preuves sont là pour justifier. Ils n'ont jamais de preuves. Vous avez, vous parlez, mais vous n'avez pas de preuves. Quand on a récupéré son enfant, on fiche la paix au monde. Voilà, c'est tout. Si tu réussis à la récupérer, vous avez la victoire. Tant mieux. Mais qui fiche la paix aux gens, en fait? C'est tout. C'est que vous êtes animé d'un autre esprit qui est derrière cette situation. Ce n'est pas de l'enfant qu'il s'agit. Vous avez un esprit de destruction, mais vous allez vous détruire vous-même. Vous allez vous dans détruire le mensonge vous-même. Et le paflotage. Voilà. Quand elle a récupéré son enfant, on a la victoire, mais vous emmerdez tout le monde, en fait. Le rêve est permis. Donc, attends, cette histoire-là, ça va rester dans l'esprit comme ça. Amour platonique. Bonjour. Oui, J'aime, comment tu vas? Tchou. Ah, vous êtes plus à faire là encore. On n'est pas dessus, hein. On n'est pas sûr à faire. Il y a un certain Ndri quelque chose là. Vous parlez le connaît, c'est le même. C'est le même. Où il a fait une vidéo sur lui là. Il allait menacer le chef du village et la menacer aussi la maman qui est en haut là. Donc ce monsieur là, comme il est en Côte d'Ivoire, moi je suis en Côte d'Ivoire. Voilà, tous ceux qui parlent pratiquement sont en Europe. Lui il est en Côte d'Ivoire ici. Voilà. Et puis il a menacé encore Séné Kramba. C'est-à-dire que s'il insultait, on peut dire oui, injure la part sur le corps de chacun d'entre nous. Hein. Mais menacer, il dit à la maman qu'elle va mourir dans la voiture, des mots comme ça. Nous, on souhaiterait. Il dit quoi? Qui va faire quoi? Voilà. Pourquoi tu n'as pas lu le message? Voilà le message qui est là. Voilà le message. Non, il est devant moi, en fait. Tu as vu le message? Allô? Bouba, il est au téléphone. Ouais, Bouba au téléphone, ok. Donc, allez-y dire à ce... Allez-y dire à ce monsieur-là qu'il va répondre de ses actes, voilà, pour les menaces de mort. Et comme il ne sait pas que c'est pas faisable, si c'est une personne, on dira qu'il s'est trompé. Si c'est deux personnes, non, il a dit, comment dirais-je, Martin, il ne faut pas dire, il faut porter plein de pieds et pas faire même. Il faut laisser. Si il a jusqu'à demain 10 heures pour s'excuser, sinon demain 10 heures, il reçoit la plainte tranquille, quoi. Voilà. Voilà, on va gérer ça comme ça. J'ai mon frère, bonjour tout le monde. Il a dit, il ne faut pas laisser. Martin. Le même gars là, André, il a envoyé le même message à chef du village une fois. Chef du village, il a affiché une fois. Voilà, c'est son travail. Il faut rentrer à côté d'un chef du village et que ce n'est pas le même gars. C'est le même gars. Il t'a envoyé en privé, non? Il t'a envoyé en privé. Oui. Il ne faut pas le laisser, il faut le porter plainte. Non, c'est le gars comme ça, il passe. Quand il demande à chef du village, ce n'est pas le même gars. Un jour, il a fait une fois, deux fois comme ça à chef du village. Maintenant, s'il ne s'est pas excusé, d'ici le soir, il faut porter plainte. S'il ne s'est pas excusé, là, il va voir. Parce que s'il m'insultait, pas de problème. Mais menacer quelqu'un et puis regarder, s'il envoie ce message-là à la dame qui est en haut, là. Hein, pour rien comme ça. Maman Ina. Il a envoyé dans la maman Ina.
C'est pour Ina, c'est à Ina l'envoyer ce message là. Non, 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 moi je l'ai fouillé dans mon PV. Peut-être qu'il y a pour moi dedans, je ne sais pas. Ta Marie, mais Marie Lyon. Quelqu'un même qui ne s'est même pas écrit. Ah, quelqu'un même qui ne s'est même pas écrit. Il a beaucoup de phrases. Tu le connais, il est toujours, il était toujours sur les panels en train de se fâcher, il est dans les commentaires. C'est lui qui a eu, qui a insulté Seri Karangba là, qui l'a menacé Seri Karangba. Ndri là. Il va pas trop, parce que moi-même, c'est le gars là. Moi, c'est quelqu'un là. Moi, je ne me concerne pas sur au fait. Il est trop comme eux, tous sont ignorants. Lui là, il est violent, il est très très violent. Il est vraiment pas un truc même. Mais moi, il y a beaucoup parmi eux. Il y a beaucoup là, moi j'ai refait l'éducation. Moi j'ai refait l'éducation. Elle a même les propres propos. Parce que la parole que tu m'envoies là, il te ramène la même parole. Tu vas raisonner avec ça. C'est quoi moi j'ai refait l'éducation de plein. Voilà pourquoi il y a plein là. C'est-à-dire, il me taquine. C'est devenu comme une alliance entre moi et puis maintenant. C'est mieux puis, comme lui, ça. Le gars là, il précise, ah, même juste là, il dit dans le voiture. Lui, il est tellement méchant, comme c'est lui qui est Dieu, jusqu'à lui-même, il dit dans la voiture. Tu as mouru dans la voiture. Parce qu'il a vu conduire une voiture qu'il ne pourra jamais avoir de sa vie. C'est pour ça, ça lui fait mal. Mais c'est à lui-même que ça va arriver au nom de Jésus. Parce que ces paroles-là, je les ai retournées sur lui-même, il va le vivre ça. Il va le vivre, sauf s'il n'a jamais vu le chien. Ça va lui arriver. La voiture qui m'a vu conduire, et puis ça lui fait mal jusqu'à... Il peut pas... Et puis dans ma voie même, n'a pas voiture, ça là aussi, ils ne pourront jamais avoir là. Il va mourir de ça lui-même au nom de Jésus. Parce que le Dieu même qu'on adore là, il est mort. La mort là, c'est la finalité de tout le monde. Je n'ai pas peur. Mais lui là, il va vivre ça. Parce que vois-tu là, même Wara Wara, il prend, il va vivre ça. Parce que vois-tu, il m'a vu conduire, il ne pourra jamais acheter. Donc ça lui fait mal. Parce que je ne me suis pas adressée à lui, ni à ses... Et je me suis toujours adressée à Dama Mouin avec respect. Parce que Dama Mouin, c'est une femme. Ce n'est pas ma mère, elle ne pourra pas être ma mère. Je lui ai toujours adressé la parole avec respect. Comme son chien errant. Il pense qu'il est tellement animé d'un esprit mauvais. Mais moi, l'ange gardien qui me garde là, il est très vaillant. Et il va lui faire sa foi. Après sa foi, il va regarder son nom. Ça va lui arriver. Ils n'ont qu'à jubiler. Je vois qu'ils sont contents dans le commentaire. Ils n'ont qu'à jubiler. Mais ce n'est pas à tous les enfants qu'on touche. Parce que moi, ma mère, avant qu'on l'enterre, elle m'a béni avant de mourir. Donc c'est lui-même là. Ses parents vont se retourner contre lui au nom de Jésus. C'est ce que je sais. Parce que vois-tu là, ça lui fait mal. C'est un piéton. Et il va vivre piéton toute sa vie. C'est comme ça. Quand tu vois quelqu'un conduire une voiture, une jeune dame conduire une voiture que tu ne peux pas acheter, c'est l'aigreur là qui te fait faire ça. Donc c'est l'aigreur. Fais ça. Attends, le message, c'est à vous qui l'a envoyé le message. Ça ne m'est pas adressé, c'était sur mon mur. Parce que si je dis c'est à moi, c'est que je prends. Je ne prends pas, c'était sur mon mur. Voilà, j'étais sur TikTok et puis j'ai vu ça sur mon mur. Vous avez croisé sur quel panel au fait? On ne s'est jamais croisé. Moi-même, c'est rare. Est-ce que je suis jamais monté même sur panel pour parler de ça? Je ne vous ai jamais monté sur panel. Je fais mes vidéos pour parler, pour dire que la dame, elle a fait la mauvaise manière de faire la démarche. Elle n'a pas fait la bonne, c'est pas la bonne manière qu'ils ont mal dirigé. Donc ça leur fait mal d'entendre la vérité, mais la vérité là vous allez entendre. Vous ne voulez pas que la dame aille rencontrer son enfant parce que vous êtes animé d'un mauvais esprit. Parce que quand on lui dit va rencontrer, va à Bandoukou, ils vont la dja. Parce que eux-mêmes là, ils ont l'esprit d'assassinat en eux. Ils ont un esprit en eux. C'est tout. C'est ce que moi, il y a toujours dit. L'être humain, là, tu vis toujours à travers toi-même. Un esprit bienveillant et penser que quelqu'un d'autre va faire du mal à quelqu'un pour rien. Donc, ils passent leur temps à dire non, si elle va là-bas, ils vont lui faire du mal. Si elle va ici, ils vont lui. Parce que c'est des gens qui sont animés d'un mauvais esprit, d'un mauvais sentiment, c'est ça. Tu sais, madame Poré, c'est pas aujourd'hui qu'ils ont commencé ça. Ils ont commencé bien depuis longtemps. Ils ont vu à injecter des personnes, même comme quoi. Ces personnes sont allées faire les maraboutages contre eux pour pouvoir les tuer. Ils ont dit tout ça là. Mais parce que c'est eux-mêmes, c'est les pratiques. C'est les pratiques qui sont en secret là. Voilà, c'est ce que j'ai dit tout le temps.
L'être humain, là, tu juges tout le monde à travers toi-même. Ton comportement, tu dis que tout le monde est pareil comme toi. Vous voyez? Voilà pourquoi un tueur, là, il n'aime pas qu'on fait passer le couteau derrière sa tête. Vous voyez, quoi? Tel que lui, il est là. Si tu fais là, tu vas le tuer aussi. Donc, il ne veut pas. Il n'accepte même pas même qu'il t'amuse à écouter. C'est ça. Le menteur aussi, là. Quelle que soit ta vérité que tu vas dire là, puisque lui, c'est son travail de mentir, il s'est dit que toi, tu mens comme lui. C'est comme ça, en fait. Non, moi, je vous dis, moi, je connais tellement l'homme. Que moi-même là, pour discuter avec l'homme même là, une fois que je vois ta réflexion, je discute même plus avec toi. Vous voyez? Voilà pourquoi c'est des personnes là. Moi, il ne peut jamais m'avoir. Voilà pourquoi il dit il a refait l'éducation de plein. Les injures, tu m'envoies là. Je te ramène les mêmes injures. Classiquement. Et puis toi-même, tu vas réfléchir. C'est ça. Tu vois? Voilà. Si plusieurs pendant moi, je me suis croisé avec eux, quand on m'envoie les injures là. Mais quand il les répond, il les répond là, et même il reste glacé. Parce qu'il trouve que je suis plus intelligent qu'eux. La preuve en est que je monte sur panel avec une, elle me traite de bête. D'être ignorant. Mais il dit, mais dans ce cas, ça sert à quoi de discuter avec moi? Toi-même, tu sais que je suis bête. Tu sais que je suis bête. Maintenant, tu discutes avec moi. De toi à moi, qui est le plus bête? Elle s'est tue directement, elle n'a plus parlé encore. Parce qu'elle sait que la réponse qu'elle a donnée là, vraiment, ça l'a tellement démoralisé là, elle n'a plus parlé encore. Je te le jure qu'elle s'abonne à moi directement. Elle s'abonne à moi directement. Vous voyez? Donc, c'est des gens là, tellement que moi je les étudie là. Rien de, c'est-à-dire, rien, moi je vois rien ne m'énerve chez eux, rien ne me fait mal chez eux, et puis rien n'est surprenant, rien ne me surprend chez eux au fait. Parce que c'est des gars, ils n'ont pas de limites. Ceci, des mamans qui arrivent à envoyer des enfants, partir ici pendant l'aller l'insulter et puis venir. Monsieur Dine, même le courage d'aller. Elles viennent dire aux gens, elles viennent s'y revenir, s'y prendre, s'y aller. Il les insulter, s'y revenir, il revient. Ouais. Comme il faut, et puis personne ne réagit à sa cause. Ça va demander à chef du village. Donc c'est déjà son travail. Lui, il rentre en privé avec les gens, il envoie les menaces, les commissaires aux gens. Lui, là, il est couché dans sa cabane, sa maison, il est dedans. Tout on voit non, tout l'intestin de toi, là. C'est lui qui passe son temps à menacer les gens. Il est couché dans un village là-bas, quelque part là-bas. Et puis c'est lui qui fait les gens. Mais c'est que quand on met la main sur eux, c'est nous encore. C'est nous qui allons plaider. On va demander pardon encore. Pourquoi on les relâche encore, tu vois, non? Attends, c'est quand, quand la Delia ou bien, c'est pas la Delia ou bien, c'est pas quoi. Qu'elle a fait sa vidéo depuis, on dit qu'ils vont porter plainte contre elle. Après ça, on l'a plus vu, on n'a plus de ses nouvelles encore. On ne sait pas si elle a fait. Non, elle a été agressée, elle a perdu son compte. Le lendemain là, elle s'est fait agresser, elle est montée. Elle s'est fait agresser. Et puis ses parents ont dit non, il veut plus la voir encore en train de parler dans cette histoire-là. Son papa a parlé, sa maman m'a monté sur le panel du chef du village pour intervenir, qu'il ne veut plus la voir encore en train de parler dans cette histoire-là. En tout cas, hier ou bien avant-hier, elles étaient là. Elle dit que non, comme elle a tout supprimé sur son compte, elle dit non, qu'elles ont déjà tout enregistré, c'est qu'elle si elle va payer. Et voilà, vont voir le postement. Il ne peut rien faire. Mais là, tu sais. Vous pouvez dire plein de contre Nadine là. Il aurait fallu qu'au moins elle affichait la photo de la maman. Là, si elle parlait, on parle truc. Mais elle n'a pas, il n'y a pas de photo derrière elle. Donc l'injure là, c'est pour qui? C'est adressé à personne. À ce qu'il cherche. Le nom d'Amouin là, il y en a plusieurs. Hein. Il y a une Amouin même dans les commentaires ici. Donc qu'est-ce qui prouve que c'est Amouin Delphine? Rien ne prouve. Donc là, là même déjà. Vraiment, il a dit, celui-là, il a dit si la plainte, on vient lui donner la plainte, qu'elle m'envoie la plainte. Je vais aller répondre à sa place. Mais jusqu'à preuve du contraire, je pense bien qu'il n'y a pas eu de plaignant. Parce que ce n'est pas moi-même qui viens se plaindre. Ah. Voilà, celle qui vient se plaindre là, elle vient se plaindre en tant que qui. Elle va s'expliquer. Si elle fait partie de sa famille ou bien un truc, elle va s'expliquer au fait. C'est ça le problème. Donc eux-mêmes ont compris que vraiment, la fête peut même parler quelque part. Donc les gars se sont tués. Ils se sont tués de toutes les façons. On est là, on regarde. Si vous voulez là, allez-y lui donner la plainte. Vous allez voir si je vais aller répondre ou pas. Il y a son numéro ici. Faites la plainte Nadège Yaou. Et puis remettez-lui. Vous allez voir si je vais aller répondre oui ou non. Vous comprenez? Voilà, faites la plainte. Et puis allez-y remettre à Nadège Yaou. Ou si tu veux même acheter, je rentre en Ningbo, je te donne mon numéro et puis tu vas. Je te donne mon numéro, mon nom d'habitation. Tu vas chez qui prendre une et puis tu m'envoies. T'as compris? On va voir l'affaire là. C'est-à-dire, la vérité, vous cherchez depuis longtemps là. C'est ce jour-là, vous allez voir la vérité là. Ça va permettre, une fois pour de bon, pour clore l'affaire. Comme la maman, elle ne veut pas porter plainte, ça va permettre en même temps la maman de porter plainte en même temps. Voilà. Donc vous allez comprendre comment l'affaire va se terminer en même temps.
ça va arranger tout le monde. Mais, Bouba, j'ai l'impression qu'ils ont tellement peur de plaintes que même pour Nadelia même... Parce qu'une petite plainte peut entraîner beaucoup de choses. Ça peut amener voilà, à beaucoup de choses. C'est moi qui l'ai fait. Mes propos les effrayer. Quand il dit que si la plainte n'est pas posée, ça a été posé exactement, là. Ça va parce permettre que donc, parle, ça les effrayer, au fait. Depuis, on parle là. Il n'y a jamais eu cette histoire. On n'a jamais arrivé à la police. Voilà, oui. En fait. Moi, donc, je trouve que vous avez trop à donner. Une petite histoire conduite à la police, je pense que ça va permettre beaucoup de choses. Parce qu'actuellement, c'est ce qu'il fait, le fait que vous parlez de ça. Mais maman, je suis en bas, vous parlez, en bas. Je vais commencer à travailler là-dedans. Okay. Non, c'est la menace là que nous, on est en train de décortiquer. Sinon, maman, aussi, je suis en bas, oh, merci beaucoup. Merci okay. Chérie, bonne journée. Merci Touré. On ne parle pas, on ne parle pas. Toi aussi, on ne rentre plus dans la salle de réanimation avec quelqu'un. Mais comme la dame, ma soeur, elle a reçu sa menace... Elle ne sait pas pourquoi. Mm-hmm. Elle dit que c'est sur Facebook, elle a dit quelque chose qui n'est même pas méchant. Mais tellement, tu le connais, ça, tu le connais. Ce monsieur-là, il ne sait pas. Je ne sais pas ce qu'il veut. Actuellement, ça est dans vos mains. On a décidé de ne plus parler. On dit on ne parle plus. Mais ça, on ne parle plus. Même pas, on ne parle pas là. Mm-hmm. Vous avez commencé vos méthodes que maintenant, nous, on a compris. C'est-à-dire, vous insultez, vous menacez, vous racontez. Bientôt, ils vont dire, les débiles ont divorcé, maman Ina. Ça cause, ça ne parle plus. Les débiles ne lui donnent plus l'argent pour payer sa maison fin du mois. Merci. Tout ça, là, c'est pour amener les gens à parler. Mais nous tous, là, on a envie de faire comme les gens de Bonnou qu'on fait là. C'est tout. On est en train de parler là, c'est pour qu'ils entendent, pour savoir pourquoi on a fermé nos bouches. On ne parle plus parce que le 6 là, ça ne peut jamais devenir 9. Donc c'est fini. C'est fini. Maintenant, on dit, on ne parle pas mais on n'est pas aveugle. Hein. On ne parle pas mais on voit clair. On voit les photos, les images. Et puis s'il y a les preuves, la dame a dit... Toujours on est menacé, toujours on fait ça. Eux n'ont jamais de preuves. S'il y a les preuves, ils n'ont qu'à mettre comme elle a mis sa preuve là. C'est de ça qu'il s'agit. Sinon, nous, on ne parle plus. Depuis qu'on parle, on a dit c'est ma voiture, c'est ta voiture, j'ai gagné, tu as gagné, des babos et Adola. Est-ce que tu as vu ça dans nos bouches? Nous, on n'est plus dans ça. On n'est plus dans ça, Bouba. De temps en temps, on peut se croiser, on cause, on rit, on se moque. Si on a envie de se moquer, même on se moque. Parce que actuellement, là, le buzz même est devenu moquerie. Actuellement, le buzz, là, Bouba, c'est devenu moquerie. Il a dit, c'est moquerie même. Souvent, pardonnez, laissez-nous, on va rire. Il a dit, c'est doux, c'est devenu moquerie. Il a dit, quand tu es au bureau et puis tu tombes dessus, là, tu ris jusqu'à là. Il a dit, tu ris, oh, tu ris. Tu dis, yeah! Non, il y a des gens qui peuvent réfléchir comme ça. Oh, oh. Il a dit, ça se bafle même. Ça dit, l'homme même est là et puis il se bafle. Parce que toi-même, tu sais que ce que tu dis là. Toi-même, tu ne crois pas à ce que tu dis et puis tu dis. Comment quelqu'un même peut se permettre de se bafle comme ça? Pour regarder mon sac. La monnaie du matin en fait. Ça c'est pas flou. Bouba, c'est trop, ça fait trop rire. Ça fait trop rire même. Surtout même quand tu es dans le secret du diable et puis tu vois ça là même là. Tu dis, bah attends, on est où là? Nous sommes dans le secret du diable et puis ça. Non, ça fait. Motion. Hein? Oui, Nado, motion, Bouba. Ça va? Oui, ça va, maman Ina. Oui, Bouba, tu t'es trompé de nom tout à l'heure. Comment ça? Oui, tu as dit Nadège Yao. Ce n'est pas Nadège Yao qui a dit. C'est Nadège Aou. C'est Nadège. Ah, ok. Ah, ok, tu m'excuses alors. C'est Nadège Aou qui a dit. Qui a dit, est-ce que tu es sûr de ce que tu dis? C'est ça, moi, j'ai dit, oui. Que tu es sûr de ce que tu dis. Mon cher, laissez-le. Je l'ai remis mon numéro en tout cas. Mon numéro avec elle. Je lui ai donné tous mes trois numéros en fait. Laissez-le. Donc si les gars sont sûres. Je ne sais pas si elles sont sûres d'elles-mêmes. Qu'elles passent côté la prise. Moi, je monte là-bas pour que. Bon, on arrive à s'entendre quoi. Mais ils sont toujours dans les injures. Moi, ça me fait rire. Injures là, c'est ça qui va faire que maman moi va retrouver son enfant. Hé, on ne dit pas non là ici. Ah, on dit pas ça, on dit plus non, quoi. On dit plus ça.
D'accord, j'ai compris, maman Ina. J'ai compris. Nous, on a fini avec ça. Si tu viens, pourquoi on se moque? Pourquoi on rit? On rit du papillotage, d'accord, mais pour ça, là encore, non. On a fini avec ça. On a. On a. Compris. À tout à pourquoi depuis là ça a réalisé un festival de plus de 5 millions, c'est-à-dire sans pareil. Donc je suis pas là pour venir parler des choses qui n'ont pas de valeur. Maintenant, ceux qui menacent, dites-leur que moi je dis à celui qui a menacé, JM que je suis et que j'ai laissé, et puis maman Marie, et puis Sini Karamba, le même gars menace. S'il insulte, on peut laisser. Dites-lui qu'il a jusqu'à demain 10 heures, monsieur Ndri Séverin, pour vous excuser. Sinon, parce que là, ce n'est pas la dame qui t'a envoyé, ce n'est pas les blogueuses qui t'ont envoyé les blogueurs, non. Parce que tu peux être dans l'émotion en regardant une vidéo telle que les gens font en commentaire ici, et moi m'insulter, ou plutôt dire des choses, mais rater dans le PV des gens, c'est-à-dire que c'est volontaire et consciencieux que ce que tu fais là, tu es très conscient. Exactement. Donc, il a jusqu'à demain 10 heures. Faites capture et envoyez à ce calamar. Il a jusqu'à demain 10 heures pour s'excuser. Parce qu'il dit qu'elle va mourir dans la voiture. Parce qu'il est venu me dire aussi des choses. Moi, j'ai vu ça comme une rien. Donc, si jusqu'à demain 10 heures, c'est pas ça. Faites-lui. Je vais porter plainte contre lui. Il est dans le même Côte d'Ivoire comme moi. Maintenant, mes tickets sont disponibles. Vous qui êtes en Europe, là, venez acheter les tickets. 3 000, 5 000, on va remplir la salle. C'est le plus important. 2 ans, j'ai rempli la première salle de 600 places. 2 années encore. J'ai rempli cette année encore. Oui, encore. Si ce, je me mute. Les tickets sont disponibles. Non, après, toutes les mamans. Au lieu de cotiser pour construire une maison, là. non, moi, j'ai payé mon ticket. Donc, mon argent que je voulais prendre pour cotiser, là, je prends pour payer le ticket. Voilà, l'argent de maison, là. Envoyez-moi, c'est 3 000 les tickets. Souche là, ça fait 50 oui, tickets. Parce que le Messie, il a l'argent. Donc, il est venu. Donc, cotisation n'a plus son sens. Donc, venez payer le ticket. Voilà, le Messie est venu. Donc, actuellement, il est venu reconnaître la madre. Laissez les cotisations là-bas. Envoyez-moi ici. C'est 3 000. Parce qu'une fois que l'enfant a reconnu sa maman là, on n'a plus le droit à cotiser pour lui. On cotise pour qui? On dit un milliardaire qui reconnaît sa maman. Est-ce qu'on cotise encore? Surtout qu'il doit se racheter. Oui, au contraire, c'est le milliardaire même qui vient. Ah, vraiment, vous qui avez cotisé là. Donc la cotisation doit s'arrêter à partir d'aujourd'hui. Sinon, ça devient de la narque. Quand je vous dis que les mamans qui cotisent là, c'est vrai. Dites que hier même, il y a eu une prière. La prière, on dit, non, il y a eu des attaques, c'est eux, on attaque. Mais on voit parce qu'ils ont des esprits tordus, c'est des gens malveillants. Vous avez le temps de... Vous avez bonsoir, le temps de... Non, vous partez maman Ina, bonsoir. Marie la missile, bonjour, bonne arrivée. Ça va. Ça faisait 2 jours, hein. Ah, on est là, on dit, on n'a qu'à rester tranquille, donc on est là, on regarde seulement. On est devenu Saint Thomas. On veut voir les choses d'abord. Motion, Djelou. C'est le chef du village qui parle là. Motion, Djelou, oui, c'est ma maison. Là-bas aussi, là, sur ton panel là-bas aussi. Moi aussi, je vais là-bas. Donc ici, c'est ma maison. Si tu veux, là, il faut monter. Faut monter, Djelou. C'est Djelou. Elle demande si je suis dans ma maison. C'est ma maison, c'est ta maison aussi. Il faut monter. Ce que tu veux dire là, tu vas dire. Pardon, excusez. Maman Anacil dit c'est quel événement? C'est un festival du riz de Saint-Fra. Parce que moi, je suis dans la culture. Donc, Saint-Fra est ma ville. Oui, c'est vrai que je suis baoulé, mais c'est Saint-Fra qui m'a vu naître. Et la reconnaissance se doit que ma ville ne soit pas en marge sur le plan culturel. Donc, dans tous les villages et villes, il y a un festival. De toute façon, on fait bonjour à Abidjan là. Tout le monde n'a pas le temps pour aller regarder bonjour, voir les artistes. Donc moi, je déplace les comédiens, les humoristes de taille.
Et cette année même, mon fils manager a confirmé ma compagne. Donc voilà, il y a les parents qui sont là, qui veulent des tickets. L'année passée, quand il y a une maman aux États-Unis, donc, maman Yvette, qui a payé ticket 150 000 francs pour les femmes veuves. Parce qu'elles veulent aller rire. Mais là, mon mari n'est pas là. Donc, vous qui voulez payer, vous pouvez payer les tickets. Arrêtez de cotiser le pauvre déjà là. Non, moi je vais payer. Moi je te promets même. Ça ne t'inquiète voilà. Même pas même. Le voilà. Pauvre est où ça? Le Messie. On ne dit pas ça, on dit le Messie. Oh, ah, le Messie est là. Messie est là. Messie est là. Il a reconnu sa maman au Messie arrive. On comprend même pas. On est dans Chant des Rives. C'est le ticket des festivals. Festival du Sinfra. Il y a 20 foyers là. Il y a 20 foyers là. On est dans Chant des Rives. Maintenant, là, tu ne moins pas. On t'est déplacé. Tu as parti au champ. Ouais. Elle dit vers où? C'est à Sinfra. C'est à Sinfra. Derrière Yamsoukro. À 74, 75 km. Yamsoukro. Même si vous n'êtes pas là, mais quand même, vous pouvez acheter des tickets. Non, il n'y a pas de problème. Moi, en tout cas, j'ai fait ce là, le Messie a l'argent que moi. Est-ce que mon argent que je voulais prendre pour participer à la cotisation, à cause de quand tu dis que je n'ai qu'à laisser. tu dis de laisser, que c'est plus mon bécanti. Djelou, ticket là, on va payer. Tu entends? Ticket là, on va payer. Moi, je vais payer. Djelou, ticket là, on va payer. Moi, seulement, je vais payer. Je n'ai pas payé un, je n'ai pas payé deux, j'ai payé beaucoup même. Payé merci. J'ai dit, mais là, si il a dit, il a fait commande chez Livy, il a fait non. Elle a dit merci, tout le monde a vu non. Donc, il a dit, il a fait chose là. Moi, je suis, comment je suis dans solidarité, c'est pour ça que j'ai dit, si on avait dit là, nous, c'est saison 3. Ah, c'est la troisième saison. Motion, Djelou. Djelou, ticket là, moi-même je vais payer ton ticket, tu vas aller regarder, tu vas rire un peu. Parce que actuellement. Djelou, elle est gourou, elle est de Saint-Fra, Djelou. Djelou. JM, je vais payer le ticket de Djelou là. Elle va aller regarder d'accord. Ça, ou bien elle va envoyer une maman là-bas. Je vais payer le ticket choses. Djelou, je vais payer le ticket, tu vas envoyer maman à moi, elle va aller rire un peu au festival là-bas. Je vais payer vous deux votre ticket. Voilà. Non, Djelou, tu as compris? Moi aussi. Ah, on dit la reine beaucoup. Toi, tu es là, maman. Elle dit son billet d'avion aussi. Djelou, ici, là. Nadej, c'est la reine d'avion aussi. Hein. Ah, donc Djelou, tu es en Europe. Tu es en Europe, c'est pourquoi tu veux un billet d'avion. Djelou. Aujourd'hui, on n'est pas là pour faire parler. On dit, on nous menace. Voilà, on n'est pas là pour faire parler. Djelou. Nous, on est là pour dire aux gens qui nous menacent d'arrêter. C'est pourquoi je vais mettre au double. Elle dit juste de payer son billet d'avion. Elle n'est pas là pour menace aussi, elle dit de payer juste son billet d'avion en fait. Mais elle allait faire quoi là-bas? Elle allait faire quoi en Europe là-bas? En tout cas, elle allait faire quoi là-bas? Nadel, quand ça là, message ça là, si c'était parmi eux, une personne là, tu allais voir TikTok là, les injures. Les injures. Mais quand eux, ils font comme ça, là, les gens ne parlent pas. Moi-même, je suis assis ici, là, dans mon PV, là, c'est rempli dedans. Tu vas faire prison. On va te localiser. Je ne sais même pas. Je t'en suis. Moi-même, mon téléphone qui est là, même si on te donne, si on me donne nom de où tu es, là, si on te localise de suite, là, il y a savoir où tu es. Marie, tu as fait quoi qui fait mal à quelqu'un? On dit, c'est moi avec Delia, on a insulté là, je ne sais pas. Moi, devant Dieu, la terre, nous tous même là, quand Delia a commencé. Mais imagine, maman Ina, c'est pas tout le monde qui peut accepter ça. C'est à cause de la maman que vous êtes venu m'insulter. Justement. C'est à cause de la maman que vous êtes venu m'insulter. Mais moi, je ne connais pas ta maman. La maman, quand tu es venu parler, tu dis, la maman est ta maman. C'est à quoi d'être tu es venu m'insulter? Si elle veut insulter, elle insulte qui? Je veux insulter ta mère. Elle a même son PV même est plein de menaces. Mon PV là, c'est rempli quoi. Ça renvoie, l'autre envoie, comme ça, tu vas voir. Je ne sais même pas quoi. Moi-même, on me menace tous les jours, mais tous les soirs, je suis là. Moi, mon mari a envoyé un message à Sarah. Il a dit à Sarah qu'il a écrit, il a envoyé à Sarah pour dire que même si je vois photo de ma femme derrière toi, ton téléphone là, ma chérie, tu ne me connais pas, je ne te connais pas. Ce jour-là, tu vas savoir. Alors, j'aime bonjour. Oui, bonjour. Le transport maintenant est ici descendu. Ah, d'accord. Dis-moi, qui est dans le bruit?
Allô? Non, c'est un merci, c'est un canal. Arrêtez la télévision. Arrêtez la télévision, s'il vous plaît. C'est la TikTok ici. Moi, je ne suis pas chambrée. Il y a dit le message qui est derrière toi là, c'est pourquoi? Et c'est un monsieur qui envoie des messages de menace à tout le monde. Il m'avait envoyé le message que moi-même j'ai pris pour juste le recadrer, lui dire que tu es au village, parce que tu es pratiquement au village. De toute façon, tu es au village là. C'est là-bas qu'on apprend comment être en société. Mais frère, c'est pas joli à voir. Il a envoyé le même message au chef du village. Il a fait la menace à qui? Il m'a fait la menace aussi aujourd'hui à la dame qui est au mari de Lyon. Il a fait menace à Siri Kramba. Il a fait menace à un truc. Il parle de chef elle. Il parle de la dame qui est au mari de Lyon. Il parle de mari de Lyon. Il s'est même pas écrit. Toi, tu ne sais pas écrit. C'est toi, tu veux écrire gros gros français. Vous allez me tuer ici. Non, mais moi ça me fait pitié. Ça me fait pitié parce que on ne peut pas venir. Tu peux te tromper, comme je dis toujours là. Envoyer le message à moi, JM. Tu te trompes, envoyer un message à maman Ina une fois. Ou bien soit à Bouba, mais envoyer un message à tout le monde comme ça. Bon, tu comptes sur quoi? Non, c'est il est vraiment. Moi, quand je vais finir ce live là, je vais faire tout. Je vais l'écrire parce que moi, il n'est pas bloqué. Je lui ai dit, frère, tu m'as fait ça. Moi, je t'ai recadré. Tu as envoyé ça à Sini Kangbaye. Lui, il t'a bien lavé. Tu as envoyé ça à l'autre. Il dit, laisse pourrir à Dieu. Mais où tu vas maintenant là? Tu auras une place. Et puis, tu as venu maintenant te justifier comme tu sais parler. Même si tu n'es pas allé lui en école pour comprendre ce que tu viens d'écrire, mais au moins ça, tu peux savoir que quand on est né en brousse, il y a l'éducation que nos parents ont. Andy, qui est dans la musique là? Andy, non, il ne peut pas parler. Yvonne, on t'écoute. Mais toi, tu es venu avec le doc. Toi, tu es partout. Ton problème, c'est que vous êtes dans la chambre ici. Andy, le champion va. Hey. Andy, Messi. Yvonne, Andy, Messi, où ton micro? Yvonne aussi. Yvonne, ouvre ton micro. Non, attendez, on est dans 41 secondes. Oui, cette histoire-là, menacée pour ça, là. Un de toi-même, là, et la maman même ne te reconnaît pas. Le Messie n'a pas reconnu quelqu'un ici. Toi, tu rentres en privé, tu menaces les gens. Mais lui, là, il faut qu'il ait la plainte. Il faut qu'il vienne pour bégayer du vent. On s'est écrit. Il y a le voix. Je lui demandais toujours. Ta réaction, là, c'était dû à quoi? Il a dit il est violent, il est nerveux, il est impulsif. Non. Il a un autre. Mais est-ce problème. Qu'il est. Est-ce qu'il est normal? Je t'ai dit même. Est-ce qu'il est normal? Tu ne suis pas maman, moi, là, c'est que tu es diable. Non, c'est qu'il est, il a un problème. Toi aussi, oh, tu connais, tu ne suis pas chose, la reine Poku. Et pardonnez, reine Poku, pardonnez. On veut plus de... Parce que si on essaie de parler de ça, ça va donner encore non pour pouvoir faire les vidéos pour essayer encore les gens. On dit le Messie est venu. Actuellement, là, quand le Messie est là, il a l'argent. Hein, donc, on ne cotise plus. Il ne faut pas envoyer des bas de cotisation ici. Si on fait panel, là, c'est pour sensibiliser les gens pour ne pas cotiser. Pour qu'ils prennent l'argent pour faire autre chose. Quoi. C'est de ça qu'on peut faire mais, panel. Attends, mais on Yvonne, peut... Bouba, il faut voir le cas de Yvonne. Là. Bouba, voir le cas de Yvonne. J'ai l'impression que son micro. Même en cas de descendre et puis elle va remonter. Voilà, c'est bon, c'est bon. Il y a bon, des lives, bon. Ça, là, nous tous, on a regardé ça hier. Yvonne, on fait autre chose. On dit, nous, le champion va nous enfermer, nous tous. Et on a insulté sa maman. On dit le Messi, Yvonne, on dit le Messi. Il y a ça, là, il y a rien seulement hier. On dit le Messi. On dit le Messi. Pardon, c'est le Messi. Messi. Hein.
Le Messie a reconnu sa maman et puis on doit cotiser encore, il n'a jamais vu ça. Le Messie, il a l'argent que vous tous. Tous ceux qui cotisent, il a l'argent que vous tous. Mais vous cotisez pourquoi? Pourquoi vous ne pouvez pas réfléchir à ça? Yéri, vous, eux-mêmes, la Messie même peut se faire sortir dans sa bouche que pour dire oui, c'est ma maman. Et puis eux là, ils vont rester comme ça. Là, ils ça, la maman, il regardé hier. On peut se flotter comme ça. Vous allez mourir en prison. La reine a plat pour vous. J'ai dit, Yvonne, on m'a envoyé une vidéo là où il y a une qui dit, elle fait comme ça. Écoutez, moi j'ai révélé, je dois attaquer ma gauche. Que je voulais parler. Il était obligé d'aller boire l'eau pour venir encore. Il y a des comédiens. Attends, Yvonne, quand tu es là, tu ne peux pas faire commentaire. Quand c'est comme ça là, tu vas prendre ton faux compte. J'ai dit, moi je suis allé prendre mon faux compte et puis j'encourage seulement. J'ai dit, il n'a qu'à faire photo. Il n'a qu'à faire photo. Le juif va faire tout là. Ça va leur faire mal comme ça. C'est tous les mamans, ils n'ont la même là. Il n'a qu'à faire tout. J'ai dit, il n'a qu'à faire indépendance. J'ai dit, la fête là, il n'a qu'à fêter à l'Ivoire. J'ai dit, ça me fait trop mal. Hein, on a insulté notre maman comme ça. Comment quelqu'un peut insulter Abla Pokou? Cadeau comme ça. Abla Pokou qui a sauvé le peuple baoulé. J'ai dit, j'ai mes commentaires là comme ça. Tu dis, il faut compte. En fait, non. Yvonne, c'est ce qu'on fait. Actuellement, là, on est dans Imou. On dit 2025. Bonjour 2025 là. Le live là. Attends, elle finit de parler. Le live là, c'est devenu bonjour 2025. C'est-à-dire qu'ils sont en train de préparer bonjour 2025. Si tu as envie de rire, si tu es stressé, il faut aller sur leur live. Mais pour aller à un faux compte. Non, moi je veux pas un faux compte. Parce que moi, et Mika et moi, tu es mon jeune frère, on n'est pas en parlant. Si tu ne vas pas à un faux compte, tu ne peux pas faire commentaire. Si maman il a fait un commentaire, tu vois, Il met sur baf qui est chez moi à la maison là. Et puis j'augmente le volume là. Donc il y a un petit frère qui a il se moque. La dernière fois j'ai mis au bureau. Les attaques. Il a dit, mais il a commencé à rire comme ça. Il a dit, mais c'est quoi ça? Il a dit, quand j'ai rien à faire au bureau là, il a dit, ça maman, finit ma réflexion. Maman, il a dit, tu sais comment, c'est quelle stratégie il faut. C'est que tu. Et il demande à quelqu'un. Quand la personne demande, ah, il y a quelle bonne nouvelle ici, oh. Ce que tu connais là, c'est ça, oh, c'est ça. Oui. Viens ici au bureau, j'entends ça. J'entends. Attends, maman Ina. Maman Ina. Ce que tu sais là. Moi, il y a quelque chose qui m'a fait rire. C'est ça maintenant. Il y a une maman, non, mais moi j'ai pitié de ces pauvres mamans-là. Une maman, elle est tellement émotionnelle. C'est la maman qui m'a fait pitié. Elle est montée, elle dit, hey, excusez-moi, il y a quoi encore? Parce que dans 2-3 jours, là, il y a l'affaire de la petite fille qui est décédée. Donc, du coup, on dit quoi? On dit, ah bon, il y a bonne nouvelle. Oh, alléluia. Je sens que cela, quand on priait, quand l'option est venue, arrivé un moment comme ça, Dieu me dit que c'est ça. Je suis sûr que c'est l'onction qui est rentrée. Et puis il a dit, c'est avec Mathieu, quoi. Et moi, la partie là, quand je voulais prier, il y a quelque chose qui reste dans ma gauche, il y a du lot. Il dit, c'est là, c'est bête qui est dans la gauche. Et puis Mika, JM, il y a une tante qui a dit que pour annoncer les nouvelles comme ça, là, envoyer des preuves en même temps, parce que s'il n'y a pas de preuves là, demain si ça se trouve mal, là, on va avoir honte. Il va la faire descendre. Maman, faut laisser ça là. Preuve va venir après. Oh, doy. La France, puis, attends, dit, moi j'ai dit. Attendez, maman Ina, il y avait un pasteur dedans. Il y avait un pasteur, c'est ce qu'il dit. Il dit, ce que tu as donné, il y a une fille qui dit, non, que moi je n'ai rien. Ça fait 2 ans, je suis en Europe, je n'ai rien d'abord. Et il dit, non. Tu sais, quand tu donnes offrande là, quand tu donnes offrande. C'est devenu la manger gratuite. 2024. Non, bonjour, sont bons. 2024. J'ai dit, les lives là, c'est devenu bonjour 2025. J'ai dit, ils vont le prendre pour faire bonjour 2025. On va rire jusqu'à. J'ai dit, on va mourir de rire. Qui? J'ai dit, je mets comme ça au bureau. Je mets même pas autre chose. J'allume. Quand quelqu'un vient, j'ai dit, écoute. La personne rit jusqu'à.
Comment tu dis moi-même commenter? En fait, non, c'est... C'est devenu amusement, quoi. En fait, c'est ça qui pousse les gens là à venir nous menacer comme ça là. Parce qu'ils donnent espoir à ces personnes là. Oh, voilà, il y a un illettré comme moi ici qui a fait live. On dit, maman, il est toi-même là. Tu allais monter dessus là. Non, tu sais pourquoi? Bouba m'a dit, j'ai compris. Au fait, quand il était en train de menacer, c'est comme on a compris leur truc, il faut insulter, menacer. Et puis, je suis monté pour dire pourquoi il menace le Messie. Donc, il a pris sa dos, il dit non, si c'est comme ça, c'est comme ça. Et puis, il m'a fait descendre. Mais c'est fini, ce dernier kata qui est là, c'est fini. Maintenant, là, c'est moquerie. On prend, on moque, on rit, on se moque d'eux. S'ils sont trop fâchés, vous envoyez les preuves. Non, mais moi, c'est le pasteur qui priait là. Il y avait un pasteur dedans. Et puis, ils ont lu le verset biblique. Hein. Et notre Bible qui nous tient à cœur, ils ont lu ça. Est-ce que tu n'as pas lu le verset tant? Elle dit non. Les acteurs de bonjour 2025. Non, ils sont bons. Maman, ils sont bons. Non. Maman, Ina. Oui. Et puis, ils disent que non. Ils sont en train de faire ça en soumelalé. Soumelalé, maman, il y a même parmi les membres de Soumelalé. Si il y a Soumelalé là, si moi je vous dis qu'il y a Soumelalé, croyez. J'ai dit, si je vous dis qu'il y a Soumelalé, croyez. C'est maman Ina qui a parlé, c'est une maman. Je suis plus âgé que les mamans de Bondoukou là. Ils ont mis respect pour les 6 mois. Je l'ai dit, puis là, ils ont mis respect pour les 6 mois. Il n'y a pas de Soumelalé, il n'y a pas en bas. C'est moi, vous dites. Quand on dit Soumelalé, même, c'est quoi même? Ils vont, quand on dit Soumelalé, c'est quoi? Quand tu es chez toi à la maison, ce téléphone, seulement tu prends pour parler. C'est quel Soumelalé tu fais là? Quelqu'un a besoin de cacher. Victoire qui est doux comme ça là. Quelqu'un a besoin de cacher. Aïe. Parmi eux-mêmes là, qui peut prendre une voiture pour venir à Bondoukou? Qui? Comment dirais-je? Mais Marie, oui. Hier même quelque chose m'a fait pitié. Lorsque ils étaient en train de parler, il y a quelqu'un qui m'était en bas. Vous dites qu'on a qu'à être là. Ça fait une heure, je suis là. Mais parlez maintenant. Apportez les preuves. La personne ils ont bloqué. Ils ont bloqué la personne. À quoi ils ont bloqué la personne? Comment même ça? Mais avec tout ça, là, ma maman Djelou, toi qui es une femme, si c'est vraiment gourou, femme gourou qui pense loin comme ça, tu te laisses annaquer. Maman Djelou, paye mon ticket si tu veux. Avec tout ça. Une fille d'Abla Pokou, elle dit, on donnait des preuves un peu. On dit, tu crois pas. Non, tu crois pas en Dieu. Tu crois maman pas? Elle dit, non, je ne doute pas. Mais quand même, la preuve un peu. Maman, ça fait, les lames qu'ils sont en train de faire là, des grands voient pas. Parce que les stars là, ils ont leur TikTok. On dit le Messie. Toi aussi, je t'appelle le Messie. Le Messie. C'est le Messie. Il n'a pas même TikTok à eux. Lui, son TikTok là, c'est là quoi. Mais le Messie même, je vais dire quelque chose, ceux qui nous écoutent là, excusez. Le Messie n'a pas TikTok, hein. Il n'a pas TikTok, c'est Instagram. Je vais dire quelque chose. Nous sommes 43 personnes au lieu connectées. Famille, on dit que tu es en train de lutter pour rentrer dans le royaume des cieux. Et déjà, tu es la porte du royaume. On dit la main que tu cherchais a été tendue. Et toi, tu dis non. Moi, j'ai regardé les gens qui ont mangé gagari ensemble là. C'est eux qui ont cotisé pour moi. Ils ne pas rentrer. Pourquoi? C'est quoi on cherchait? On cherchait le Messie. Le Messie, on dit le Messie est là.
Djelou, faut écouter bien, maman Djelou. Il y a honte. Oh, vraiment, c'est qui ça? On dit que vous cherchez qui? On cherchait le Messie. Le Messie, comme il venait pas, vous avez décidé de cotiser pour Ablakoukou. Ablakoukou, maintenant, elle est heureuse. On dit le Messie est là. Normalement, Ablakoukou doit plus causer à vous. On est en Afrique quand même là. Et vous avez quoi avec votre mouvement là? C'est le Messie qui doit maintenant dire, bon, maman, dis merci aux gens là. Bon, c'est ce que vous voulez même, en fait, on va cotiser pour eux. Non, laissons-les. Et puis fait, arrêtez de cotiser tant qu'on ne voit pas la vérité. Pour que tout cesse. Sinon, ils vont toujours nous menacer comme ça. Il faut laisser cotiser. Il y a JM, il faut les laisser cotiser. Parce que quand ils vont finir de cotiser, c'est eux-mêmes encore qui vont venir sur la toile ici pour venir crier ici. On se connaît ici. Moi, je ne sais pas quoi. Et vous faites c'est à cause de que ce gars-là nous envoie ce genre de message là. Ce gars qui menace les gens là. Parce que lui, il est illettré. JM a raison. C'est à cause des cotisations là que le monsieur l'envoie les menaces. C'est à cause des gens qui nous insultent. Parce qu'il se dit que. Tout ce qu'on dit là, ça empiète la cotisation. Oui, actuellement, là, c'est la cotisation qui est prioritaire. En tant que le Messie a été déjà retrouvé. Donc, pourquoi cotiser? JM a plus besoin de ça que de cotiser. Venez payer les tickets. Nous, on n'a rien. Payer les tickets, là, on va remplir la salle. C'est fini. Tu vas chercher diplôme et puis tu t'en dis à ton directeur, pardon, faut me donner travail. Et puis après, il y a aller chercher le diplôme là. Tu n'as même pas encore eu le diplôme. Tu veux te chercher ton travail d'abord. J'ai dit, mais lui là, il a eu jusqu'à 10 heures. Il y a quelqu'un qui a dit bonjour, il faut l'écouter. Il y a quelqu'un qui a dit bonjour. Bonjour. Eh oui, bonjour. Bonjour. Ça va très très bien. Mm-hmm. Bonjour. Ça va très bien. Ah, Dieu merci. Je passais par là, mais je me suis arrêté sur le live là. Vous cliquez dessus. Pourquoi ça parle de quoi? Non, ici c'est Limou. Ici c'est Limou. On est en train de ironiser sur les faits divers. ça parle pas d'un sujet. On est là, on a envie de rire, on a envie de se distraire. On parle des pafloteuses, des pafloteurs, des rêveurs, des gens qui se font des illusions. C'est mon de frère, ça qu'il s'agit. Si tu connais un gars comme ça, tu envoies le gars et puis on va rire. Mais ça doit faire maman, rire. Maman, il faut que ça fasse rire. Attends, j'ai posé une question. Yaya, bonjour. Oui, bonjour. Pardon, excuse-moi. Hein. Moi, comme ça, là, moi, je suis un vagabond. Et puis, on me place, moi, le vagabond, avec un ministre. Tu as choisi qui? C'est moi pour le vagabond. Là. Pourquoi tu as pris le vagabond? Non, on va s'entendre. Pourquoi d'abord le paravent? Ah, d'accord. Mais elle disait que. Ministre comme ça. Merci. Mais elle disait qu'ils ont placé un petit prince. Et il y a une abla beaucoup qui a refusé le prince pour aller prendre le ministre. Hein? Elle a refusé. Abla Poukou a refusé son enfant biologique et maintenant on dit on veut le ministre. Maintenant le ministre aussi n'est pas prêt pour Abla Poukou. Es-tu informé? Non. N'est pas informé. Non, tu sais, tu fais semblant. Où je travaille, on va aller te dire. Tu es au travail. Tu fais, on se frappe ici, mon collègue. Tu fais, on se frappe ici. Tu es au travail. Allô? Il y a un Messie ici, la même barbe comme le Messie. Il y a envoyé des messages de menaces, du genre, nous allons mourir parce que nous a défendu des thèses, pourquoi. Donc la personne a. Non, l'histoire du Messie.
Quel Messie? On dit Messie avec sa maman en blanc coucou. Ça m'a informé. En blanc coucou. Quel Messie? Non, le problème, il y a un monsieur qui parle de PV en PV de tous ceux qui sont dans le blog pour dire que nous avons mouru. Mouru par quoi, quoi? On ne sait pas. Parce que nous, on a pris notre rang en tant que panéliste qui défendons hein, l'hypothèse qui est, c'est pas son enfant. Que Abraham ne peut pas accoucher Messie. Il est Dieu, quoi. Hein, donc, lui, il dit, on va mourir. Donc, comme c'est, il m'envoie moi le message, il dit, non, bon, ça, c'est un illettré. Il envoie ça pour un Sénégramba. Deux, il dit, c'est un illettré. Il envoie ça encore à un autre gars. Donc, il a quatre fois. Vous l'avez appelé. C'est ça? Non, demain, on va porter plainte contre lui. Qu'est-ce qu'on t'a appelé? C'est quoi? Le monsieur en question? Oui, oui. Non, c'est sur TikTok, on n'a pas son numéro, on a son numéro il y a longtemps, on l'a attrapé. Ah, portez plainte. C'est... Ah, c'est... Vous avez entendu, non? C'est la plainte. Ne jouez pas avec ça. Ça n'a pas une menace, ça n'a pas une menace de mort. Vous allez mourir. Donc, laissez le côté spirituel. Allez-y sur le plan physique, vous portez plainte déjà. Ah. Il y a quatre personnes qui portent plainte, vous pouvez le rechercher. Ah. On ne sait jamais. Ah. Vous êtes des personnages publics, du coup on vous voit partout. Voilà. Vous pouvez être dans un coin, on n'a pas les gars, vous nous tabasser, vous savez ça, qui. Ah. Ah, donc, famille, on va porter plainte demain contre ce monsieur-là. Parce que s'il veut tout le temps rester là en train de nous menacer, c'est pas bon. Voilà. Donc, quand on va finir le panel, j'ai écrit au chef du village pour m'envoyer. Lui-même, il a déjà mis la preuve même que le gars l'a menacé sur Facebook. Je vais télécharger, je vais le contacter. Moi-même, j'ai mes preuves qui sont là. Il menace les gens. Oh, il est dans même Côte d'Ivoire, même Abidjan là. Voilà. Ouais, il y a les gens. Donc, on va. Esprit, les gens, t'as répété. Il a mal. Moi-même, j'ai envie de savoir, même, c'est quoi qui lui fait mal. On ne sait pas. Tout à l'heure, il a posé la question. Il y a qui choisit quoi. C'est ceux qui sont dans le mensonge qui doivent avoir mal. Toi, tu es dans la vérité et puis tu as mal. Ça revient à quoi-même. Aïe. Ça ne répond pas à quelque chose. Toi, tu es dans la vérité. La vérité, là, il ne fait pas bruit. Hein. Ah oui, les Pandougouas, là, nous ont montré que la vérité ne fait pas bruit. Ah. Le monsieur Baoulé de Bokanda, là, le cadavre Baoulé de Bokanda, il nous a montré que le mort vivant, là, parce qu'il est mort, il est vivant, les deux à la fois, là. Il nous a montré que quand tu es dans la vérité, tu ne tressailles pas. Jamais. Tu ne parles même pas. Les gens veulent faire comme lui. Tellement que les deux personnages, là, publics, ils sont devenus stars. Tout le monde est devenu star dans cette histoire-là. Tellement qu'ils ont éduqué les gens, là. Jusqu'à même, là, les gens même qui sont contre eux, là, ils veulent avoir leur attitude. Donc, lui, il se promène pour menacer les gens, là. Pourquoi? C'est ce que je ne comprends pas, là. Toi, parce tu as ta vérité. Qui peut changer ta vérité? La vérité restera la vérité. Celui qui menace, là, c'est lui qui est dans le faux. Ça veut dire qu'il veut faire quelque chose et il pense que nos deals, là, ça peut empêcher son deal. Sinon, pourquoi tu vas menacer? Moi-même, j'ai dit pourquoi insulter? Depuis suite le début, plainte, là, moi, il a dit ça. Il va sortir porter plainte contre le monsieur. Il dit, suite à votre plainte, il va sortir porter plainte contre le monsieur. Bon, moi, quand M. Dibu porte plainte, ou il ne porte pas, les anciens, nous, ont porté pour nous. Voilà. Parce que lui qui a écrit là, merci mon Dieu, on ne te connaît pas. Nous, on parle maintenant avec les gens qui ont les photos, les vidéos. Moi, maintenant, c'est ce qui est décidé. Tu veux causer avec moi? Je regarde ton compte. Quand il voit que tu n'as pas de vidéo là-bas, je pense que tu n'es pas un être humain. Pour moi. Merci. Donc, tu es comme M. Dibi. Donc tu es comme M. Dibi. Voilà de la vie. Donc les gens qui sont comme M. Dibi là, tu ne parles pas avec eux. Non. Si on ne te voit pas là. Non, mais tu sais, on ne te voit pas, il y a de bonnes causes. Les quand il ne parle pas, c'est une insulte. Les morts, est-ce qu'il insulte? M. Dibi. Non, le monsieur là, il m'a enjaillé. Attendez, il a fait quelque chose, ça a parti partout. Attendez, vrai là, M. Dibi, il m'a enjaillé. Et le comportement de messieurs, il a dit, il y a deux personnages actuellement là. Si on me dit les hommes de l'année là, si on me dit de choisir là, j'ai choisi la dame Bondougouenne là. Yeah! C'est qui a porté neuf fois là.
Et puis elle est sereine là. Et après elle, Monsieur Dibi. Non, c'est les hommes de l'année. On a qu'à dire la vérité. Par moi, ces deux, je ne peux pas parler. Je ne peux pas parler de quelqu'un. Oui, non, c'est les hommes de l'année. Ils nous ont montré. Un seulement, on peut parler d'eux. Que le silence. Non, je dis, ils ont donné de la valeur au silence. Oui. Je dis, ils ont valorisé le silence. Je dis, on nous a toujours dit dans l'éducation que le silence est or. Le silence, c'est la sagesse. Le silence là. Non, j'ai dit, nos grands-papas nous disaient tout ça. Quand tu parles, toi tu parles trop. Demain, les hommes, les femmes qui parlaient pas, les femmes qui étaient dans le silence, froide comme ma belle-mère. J'ai dit, les deux personnages là. Non, j'ai dit, je suis trop fond d'eux. On n'a pas dit la vérité. Hein. On peut faire panel sur les deux là. On ne peut pas parler sur la blanche pour quoi. Mais tous les jours, on peut faire panel sur les deux là. Pas les deux là. Oui. Non, j'ai dit, ils ont mis le bim de l'année. Vous n'avez pas vu comment ils ont mis doing. Non, sérieux. Parce que. Non, sérieux. Hein. Ils ont mis des. Dibi, c'est un homme. Humble, non, Dibi, c'est un homme de valeur. Moi, je dis ouvertement, ils ont tout fait, tapoté, fait tout. Même mon jeune frère est venu, il bloque, coton. Il est là, il dit, je vous regarde, allons-y. Maintenant, les gens qui nous menacent là, moi, c'est ma première plainte. Depuis, je n'ai porté plainte contre quelqu'un. Et puis, maintenant, il a dit quelque chose, attends, je vais dire. De sa tombe, il a dit quelque chose. Il dit, je suis là, il n'y a pas de. On peut tout changer sauf l'homme. Ah. Il dit, ça va faire le tourbillon. Ça va venir trouver moi ici. Même si je suis au cimetière, ça allait me trouver au cimetière. Ouais. J'ai dit, un cadavre fait être serein comme ça. Un prisonnier fait être serein comme ça. Non, Dibi, tu es l'homme. T'as quoi ça, j'aime trop ton affaire. Tu es l'homme. J'ai dit, quand on dit homme avec grand H, comportement de ado. J'ai dit, comportement de ado. J'ai dit, le gars est serein. Même souvent, on dit des choses. Nous-mêmes, on dit. Ça nous a fait mal. Il dit, c'est pour que j'ai réagi, mais je ne vais pas réagir. Jamais il va aller me chercher à la tombe. Ou bien il va aller me chercher en prison. Une seule condition, sauf s'il porte plainte. Et puis quelqu'un on dit, c'est lui-même qui est le fautif, mais toujours il réclame plainte. J'ai dit, pourquoi vous réclamez plainte? Moi-même, là, moi j'avais dit ça. Moi-même, ils n'ont qu'à porter plainte, mais ils ont qu'un problème. Les gens sont serrés et imperturbables. Non, la solution, là, c'est de porter plainte contre ce monsieur-là. J'avais une vidéo. Et quand j'ai fait la vidéo, je suis monté. Quand j'ai fini, la Delta Force m'a félicité en WhatsApp. Quand je suis monté, j'ai dit, mais aujourd'hui, là, moi, je vais être conseillé. Porter plainte. Porter plainte, c'est tout. Porter plainte. Vous ne portez pas plainte, ça me fait mal. Porter plainte. Si vous voulez porter plainte, d'abord. Déjà même qui vous demandent porter plainte. Maman, il n'a pas. J'ai dit, pardonnez. Gelou, pardon, reste tranquille comme Monsieur Dibi. Il faut qu'il y ait un Monsieur Dibi. Voilà, maman, il n'a pas. Tu l'as de Mika, c'est toi, ils sont très chargés là-bas, toi et Bouba. Hey, ils n'ont qu'à faire. Moi, j'ai dit, je suis devenu comme. Non, maintenant, là, je suis devenu comme les gens de Bouba. La femme qu'on appelle Maman Kone, là. Belle. Hey, ils n'ont qu'à parler. Quand ils seront fatigués, ils vont se dire. Ça ne change rien. Marie, faut non, elle a été demandée si l'islam. Marie, elle a demandé si l'islam, il est déconstruit. Donc, c'est ce qui lui fait mal. Elle a demandé si l'islam, donc il est déconstruit. C'est ça qui lui fait mal. Oui, la maman elle Ina d'avant. Elle non, non, non. La maman Ina, vous, quand il y a quelque chose, elle sort, elle réplique là. Non, non, non. J'ai changé. Non. Et maman, elle a changé. Elle est devenue comme les gens de Bonjour. Si on appelle la chance, il espère qu'elle m'écoute. Yes, parce qu'elle, elle a parlé là-bas. Est-ce que tu peux insulter maman, une maman comme ça? Est-ce que toi, la chance là-même, là, tu t'attends parler? On t'a dit, la maman d'Adélia aussi, là, c'est une mère. Vous quittez là-bas pour venir insulter sa maman, la Delia Kambeko, la Delia comme ça. C'est au nom de qui vous insultez sa maman? C'est au nom de maman Mouin. Donc si elle veut insulter, c'est maman Mouin veut insulter. C'est vous-même, vous avez vendu la maman. Insulté là, moi-même, je dis, c'est vous-même, vous avez vendu la maman.
Vous avez vendu la maman, on l'insulte, c'est vous vous arrêtez comme ça, comme ça. Vous êtes très, très impoli. Grâce à vous, aujourd'hui, là, on insulte la maman. Non, les on n'est plus dans le jus, mais maintenant, on est dans la comédie. Il faut laisser ça, ma chérie. On est dans la comédie. Maintenant, c'est l'humour. Bonjour. C'est devenu bonjour 2025. Maintenant, là, on n'est plus dans la... En tout cas, moi, je ne suis plus dans sérieux, sérieux. Non. Moi, je suis dans 2000... Non, au fait, là, c'est la... ça, oui, à la vérité, même, on n'a qu'à parler. Tu en penses que... Maman Ina, comment on dit Maman Ina impulsif? Dès qu'on dit Maman Ina, Maman Ina sort. Non, Maman Ina sortira pas. Si toi-même, tu sais que tu défends une maman, tu ne peux pas insulter maman de quelqu'un. Si moi, tu insultes ma maman à cause de la maman, que moi, là, je suis émotionnelle, ouais, je ne sais pas comme toi aussi, là. Je vais insulter la maman. Je veux insulter la maman tranquillement. Parce que c'est à cause d'elle que tu es venu insulter ma maman. Ma maman n'a rien à voir dedans. Dieu merci, donc, on n'a plus d'un jour. Vous vendez la maman, mais qu'on l'insulte là. C'est donc, vous. Faut laisser ça. Faut laisser moi. Chérie, faut laisser. On n'est plus dans ça. On a évolué. Non, on a bien fini. Donc, comme ça, ils sont en train de parler là-bas. Non, faut laisser. On va pas parler. C'est pourquoi on renouvelle les dossiers. Je dis, même si on dit maman, il a ton coin est bleu. Je lui dis, maman, il n'a pas plus réagi. Non, ça c'est fini. Non, c'est fini, on ne parle plus. Maintenant, là, c'est Imou, Imou. C'est Imou. Bonjour 2025. De temps en temps, on peut faire panel. On peut venir parler de Papa Didi, on peut parler de Yama, Wala, Majama. Je descends, je descends. Je descends, je descends. S'il vous plaît, tapoter, s'il vous plaît, attendez. Hein. Ils ont commencé à signer le live. Mon écran est noir, tapoter. Voilà, il y a plusieurs personnes de maman à moi qui sont là. Et pardon, à Black Oku, ils sont là. Ils ont commencé à gâter mon truc. Voilà, tapoter rapidement, tapoter. Mettez good like. Tapoter, on va rire. Ici, tapoter. Là, on est chez le roi du riz. Bouba, ici, c'est le riz. Il faut Bouba, vous bloquer les commentaires, on tapoter, pardon. Bouba bloque les commandements de ta côté. JM, il faut leur dire que oui. Ici c'est le roi du riz. Quand on est ici, on rit. Non, ici c'est un espace du riz. Et nous, on n'est pas là pour faire le truc. Ici, là, on prend tous les sujets pour rire. Donc, on est sur le téléphone, on est en train de préparer 2025 comme ça. Yeah. Ça fait trop rire. Actuellement, ça fait rire. J'ai dit, si tu es stressé, tu as un problème. Tu mets le film. Quand tu mets le film là, tu ris jusqu'à... C'est comme quand on était petit. Les films chinois, on dit Kung Fu là. T'attaques pa, 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 pa. Et puis on croyait. C'était la même chose. Le film là même est devenu baga glacée même. Je t'ai dit, c'est devant ça on est. T'attaques ping, ping, ping. Chef bandit, mais jamais. Il met jamais, il est dans danger. On met feu, chef bandit il sort dans le feu. Si, tout le monde meurt à côté des chefs. La blague pour la même là. Arrêtez de parler, mais c'est bon. Non, faut arrêter. Je te dis, faut arrêter. Faut faire comme moi. Arrêtez. Moi, j'ai arrêté. Hein. Moi, pour que je parle, faut qu'on me paye. Si on m'a payé, j'ai parlé. Parce qu'on dit que quand je parle, c'est doux. Quand je parle, ça motive. Donc, si quelqu'un veut que je parle, mais moi, je n'ai pas besoin d'argent. Hein. Moi, je n'ai pas besoin. Mais ils n'ont qu'à aller chez le chef du village. Ils n'ont qu'à signer un contrat. Et puis, lui, il fait panel. Parce que moi, je ne fais pas panel. Lui, il fait panel. Moi, je viens, j'anime. Je parle dans... Là, comme ça, ça va aider beaucoup. Mais sinon, moi, je n'ai vraiment pas besoin de cet argent-là. Je ne suis pas pauvre. Je ne suis pas riche. Hein. Je ne suis pas non plus riche. Mais je ne suis pas pauvre, en tout cas. Donc, c'est les deux, quoi. Je suis au milieu.
Donc, je n'ai pas besoin de cet argent, mais je ne veux pas parler pour faire plaisir à quelqu'un. Non, 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 non. Pour te faire plaisir, il faut que je puisse te connaître. Là, je parlais, quoi. Bah, Lolo Beauté a dit que ça existe hein, dans leur milieu, là. Donc, je parlais, je parlais, je parlais. Sinon, là, si je dois parler actuellement, c'est Limour. C'est bonjour 2025. Comment faire rire les gens? C'est de ça que moi, je vais parler. Je vais parler du paflotage, du doi, 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 doi. C'est de ça. Sinon, en dehors de ça, là. Et puis, il y a une... Il y a un personnage là qui m'a trop épaté en 2024. Deux personnes. Mr. Dibi et puis Dame Ouattara Mariama. C'est deux personnes là. Non, je les aime quoi. Non, actuellement, on peut faire panel pour eux. Pour les glorifier, les magnifier. Non, le président doit les décorer. Ah. Non, on dit le président Adomé, il est fort dans ça. Yeah, mais il y a plus fort que lui. On dit derrière village, il y a village. Tchè. Papa Ado, on dit tu es fort dans une vie ignorée. Mais Monsieur Dibi te dépasse. Dame Mariam te dépasse. Ils t'ont dépassé, Papa Ado. Tchè. Non. Adam Bouba. JM. Oui, oui. JM. Oui, allô, allô, je suis là, je suis là, je suis en communication, je suis là. Je vois le noir partout là. Non, on a bloqué les commentaires. Pour que j'ai dit, papa, bon, Ado, tout bon, libère les commentaires, libère les commentaires. On dit papa, Ado, il est vraiment fort. C'est toi qui veux libérer, hein. Tiens. Non, bon, attends, il libère les commentaires. Et tu n'as pas d'appel temps, tout à l'heure. J'aime, je pense qu'on va arrêter comme ça aussi. Hein. J'aime. Oui, on fouille, les gars. J'aime, ça n'a pas de libérer si, la commentaire. Si tu as des salutations à faire, si papa Dibi et puis papa Mariama, on peut se permettre de parler. Oui. Oui, d'accord. Alors, excusez-moi, j'ai une communication. Voilà, donc, je sors de mon joli bureau là. Dieu te bénit lorsque ton cœur est blanc. Dieu te bénit lorsque tu n'insultes pas. Dieu te bénit lorsque tu ne penses pas mal aux gens. Donc, je vais conclure là pour dire que vous qui insultez là, nous, on peut dire on laisse nous à Dieu. Mais l'injure que tu as eu à dire sur notre vie, on dit celui qui maudit enfant d'autrui, maudit lui-même ses enfants à la dernière génération. On t'a fait quoi? Donc, si vous voulez, faites. Mais nous, je vous donne qu'à demain 10h. Cher monsieur Ndri Séverin, il faut t'excuser. Il faut t'excuser auprès de tous ceux que tu as eu à menacer. Parce que si c'était un jus, on peut tolérer. Mais si c'est menace de mort, on va porter plainte contre toi. Voilà. Moi, je ne suis pas venu non, appeler. Non. Je vais porter plainte normalement. Avec toutes les preuves qui sont là, qui attestent que tu nous as menacés. Et c'est pour tout. Rien. Donc, des futilités en plus. Des futilités, cadeau comme ça. Des futilités. Donc, monsieur. Enlèvement de TikTok. Non, j'aime, ça. Attends, il faut débloquer les commentaires. Ah ouais, il est débloqué. C'est quoi? La honte, ça donne rire au mamie. Mais Gelou, est-ce que elle est encore là? Gelou, maman, je n'ai pas la vie qu'une maman. Gelou, faut qu'elle comprenne parce qu'elle a honte de porter. Voilà. Et puis aussi, merci beaucoup. Je vais parler aujourd'hui à une vieille maman qui s'appelle Mono Kesso. C'est la go. Maman, non, mémé, vous savez, quand vous êtes une maman et que souvent vous êtes sur un panel et que vos petits-fils, qui Dieu a donné la tête de pouvoir s'exprimer, qui Dieu a donné l'esprit critique de pouvoir comprendre la vie, essayez de vous faire comprendre et que vous insultez, vous descendez, pour moi, c'est comme vous insultez toute une génération que vous allez mettre au monde. Je vous dis ça aujourd'hui avec le cœur. Et mon père est décédé. Ma mère est décédée, elle s'appelle Eugène et à moins, tu es encore en vie. Je te dis aujourd'hui, il faut faire beaucoup de prières dans ta vie. Je te dis aujourd'hui, je vais dire ça quand même, je dis ça aujourd'hui, ça va être tout le monde sur le panel et que tu insultes, tu descends. Il faut faire beaucoup de prières. On est sur Internet, on n'est pas appelé tous. On n'est pas tous appelés à avoir les mêmes idées.
Il peut avoir les idées contraires à un moment inassuré. Sur un truc aujourd'hui, et demain on peut s'entendre, eux on rit. Mais il ne faut pas monter en tant qu'une mère, insulter des gens, et puis il y a des gens qui sont âgés que toi. Il a fouillé ton profil. Vous bloquez votre profil. Nous, on maîtrise Internet. Nous, on fouille dans vos profils, on regarde qui vous êtes. C'est humiliant. Je te parle en tant qu'une mémé. Si tu as mis des enfants au monde et que tu m'as insulté une fois, mon papa qui est décédé là, et tu regardes, et puis tu as entendu, tu sais, je mets fin. Moi, si tu m'insultes que tu es mon petit frère, je te regarde. Mais quand tu m'as mère, je te mets au même rang que mon père qui est ici. On va envoyer ça aux autorités, on a les preuves de vos menaces, de vos injures et tout ça. Quand tu es présenté public, il faut souvent agir. Il n'est jamais agir. Il n'est jamais insulté quelqu'un. Je vous dis toujours, je recadre les esprits tordus. Parce qu'il vient y exprimer, et j'ai mal fait, je ne suis pas lâche. Mes vidéos sont enregistrées. Donc, maman, au Mogolon, quelque chose, Salago, quand tu viens m'aimer, tu peux venir faire prendre tes enfants. Nous, on ne fait pas descendre quelqu'un ici. Tu montes, tu insultes. Et puis, tu descends. Tu montes, tu insultes. Et tu descends. Il y a un qui vient, tu ne peux rien créer. On ne peut rien créer. Mais moi, j'ai donné un cas, il y a un cas de mettre 10 heures à celui-là. Parce que lui, il est en Côte d'Ivoire ici avec moi. Voilà. Pour pouvoir s'excuser auprès des 10, pardon, les 4 personnes qu'il a menacé de mort. Sinon, si tu peux créer quelque chose, on va comprendre. Si c'est porté ou bien. Et puis, maman, il y a quelque chose à dire. Hello, ici la même panel là, c'est panel. Vraiment ce panel là, j'ai aimé le style. Le jour on a envie de rire, on a envie de se détendre. On vient rire ici. On prépare 2025 sur tous les sujets, du pafrotage, les sujets qui nous font rire. On rit. Et puis bon, on passe à autre chose. C'est qui est sûr, c'est ça qui est ça quoi. Et puis bon, c'est ça qui est ça. J'ai mes deux personnages de l'année 2025. Le jour où j'ai envie de parler d'eux, j'ai parlé d'eux. J'ai la maman Ouattara Mariama qui m'a beaucoup façonné, qui est en train de changer même mon éducation. Grâce à elle aujourd'hui, je parle plus trop, je fais plus trop parler, je réagis plus trop. Grâce à ma soeur Ouattara Mariama. Et puis à mon fan, mon bastard, mon idole. Mon idole, monsieur Dibi. Non, je t'adore. Tu es fort, tu es plus fort que Ado. J'ai dit, dans vie ignorée, là, tu es fort. Tu as dépassé Ado même. Non, j'ai dit, attends, maman, j'étais à Korogo. J'ai dit merci. J'étais à Korogo. Attends, faut pas aller d'abord. J'étais à Korogo avant-hier. Quand je suis arrivé à Boaké, je voulais garer même pour aller saluer, mais j'étais avec mes patrons. Et c'était pour ces voitures de service. C'était le dimanche, il voulait descendre pour aller manger un peu de foutou. Et puis, parce que le monsieur, il est pur. On ne parle pas à ceux qui ne donnent pas de la valeur. Il a dit, en Côte d'Ivoire, non, il n'y a pas son dé. Il a dit, il a dépassé Ado dans ça. On dit, tu insultes le président Ado, mais pas que quand en prison, il fait rien. Il a dit, Tibi a dépassé Ado. Il ne te regarde pas. Non. Il te regarde pas. Aïe. À cause de maintenant là, moi si quelqu'un m'insulte, je parle plus. Parce que moi, ma star, tu sais, je défends une star sur ma page. Elle s'appelle Bikini. Elle a le même comportement aussi. Hein. Elle ne réagit pas. C'est nous, on vient, on parle, on nous. J'ai dit, elle réagit jamais. J'ai dit, tu vas tout faire. Elle dit, elle laisse moi là, Dieu. J'ai dit, moi-même là, je demande, ma star, tu es né comment? Souvent, je me fâche. Mais est-ce que tu sais que Dieu la met au-dessus de tous ses adversaires. J'ai dit, il n'y a pas d'adversaire qu'elle n'écrase pas. Par son silence, on mentionne, on dit des choses. J'ai dit, la dame ne va jamais parler. Elle ne va jamais dénigrer quelqu'un. Et puis, elle ne demande jamais rien. Mais elle avance, elle prospère. Elle est toujours en haut de ses détracteurs. J'ai dit, maman. Encore. Oui. Dieu vient de m'inspirer, hein. Dieu vient de m'inspirer tout à l'heure là. Donc on va faire la prière parce que on a créé une prière. Seigneur Jésus, j'ai prié afin que tu puisses me donner le cœur de Monsieur Dibi. Mais c'est pas à toi qu'on répond. Prie pour moi. Le cœur de Monsieur Dibi aux hommes et le cœur de Ouattara Mariama aux femmes.
Voilà, donc éternel Dieu des armées, je viens ton sein au nom puissant de Jésus. Je prie afin que tu donnes le cœur de M. Dibi à tous les hommes. Que le silence prime sur leur vie. Et que tu donnes le cœur de maman Mariama Ouattara à toutes les femmes. Le silence est preuve de sagesse. Et le silence fait que tous ceux qui sont en train de crier, crier sont toujours derrière. Et que tu me regardes. Et que cet esprit t'habite au nom puissant de Jésus. Reçois. Amen. Moi, je prends, wallah, je prends. Voilà. C'est une belle bénédiction, une belle prière. J'ai envie d'être comme elle. J'ai trop envie d'être comme elle.